Chers collègues, ravi de vous retrouver en ce jour de rentrée parlementaire. À vous souhaiter à toutes et tous, mais nous aurons l'occasion d'y revenir peut-être tout à l'heure, une excellente session. En application de l'article 20 du règlement, je prie Madame Anne Lambelin, qui est le plus jeune membre de notre Assemblée, et ainsi que Monsieur Dahl, parce que les autres parlementaires plus jeunes de cette Assemblée n'étant pas là. Monsieur Dahl, vous voilà appelé à venir siéger comme secrétaire avec Madame Lambelin. Ah ! Alors, rassurez-vous, on ne vous a pas négligé ni trahi votre âge, mais il faut que les deux genres soient représentés. Voilà, donc il ne pouvait pas y avoir ni deux hommes ni deux femmes. C'est l'égalité complète. Prenez place l'un et l'autre. Extrêmement plaisir d'être plus jeune. Ben oui, voilà, pour remplir les fonctions de secrétaire provisoire. Mesdames, Messieurs, nous sommes réunis ici de plein droit pour procéder à l'installation du Parlement wallon, conformément à l'article 32 de la loi spéciale du 8 août 80 de réforme institutionnelle telle que modifiée, rappelez-vous, par le décret spécial du 12 octobre 2017 qui a anticipé notre rentrée parlementaire. Je déclare donc solennellement la session 2018-2019 ouverte. On demandait d'excuser leur absence à la présente séance, Madame Bonny et Monsieur Daudrimont, pour raison de santé. Mesdames, Messieurs, conformément à l'article 28, deuxièmement du règlement, la conférence des présidents a procédé à l'élaboration de l'ordre du jour de la présente séance, qui vous est donc soumis conformément à l'article 67, premièrement. Ce document vous a été adressé. J'ai été saisi du dépôt des propositions suivantes. La proposition de décret modifiant l'article 11 de la loi du 12 juillet 73 sur la conservation de la nature en vue d'interdire le survol des réserves naturelles avec un drone, déposée par Mme Reckmans, document 1160 numéro 1. La proposition de résolution visant à mettre en place des expériences pilotes de développement de véhicules à hydrogène en Wallonie et en étudier les opportunités futures, déposée par Mme Moinet, Messieurs Le Serre, Fourny et Wall, document 1161, numéro 1. Je vous propose d'ajouter leur prise en considération à notre ordre du jour. Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'ordre du jour ainsi modifié? Personne ne l'a sollicitant. L'ordre du jour ainsi modifié est adopté. L'ordre du jour, chers collègues, appelle le Parlement à procéder par des élections distinctes à l'élection de son président, d'un premier vice-président, d'un vice-président et de deux secrétaires. L'article 5 du règlement prévoit que le bureau du Parlement est formé suivant le système de la représentation proportionnelle des groupes politiques. Quant à l'article 22, il stipule que ces nominations se font au bulletin secret, sauf si, bien sûr, le nombre des candidats correspond au nombre de places à pourvoir, auquel cas le ou les candidats sont proclamés élus sans scrutin. Monsieur Wall. Monsieur le Président, j'ai l'honneur de proposer la reconduction du bureau sortant dans son entièreté. Y a-t-il une proposition inverse? Je constate par vos applaudissements que la proposition de Monsieur Wall recueille un large assentiment de l'ensemble des groupes. Et dès lors qu'il n'y a pas d'autre observation, je déclare le bureau élu. Et en conséquence, je prie les secrétaires du bureau définitif de prendre place au bureau tout en remerciant les jeunes secrétaires de cette Assemblée et de ce jour. De même. Pendant que les uns et les autres prennent place, Mesdames, Messieurs, je déclare le Parlement wallon constitué conformément à l'article 2 du règlement. Il en sera donné connaissance à Sa Majesté le Roi, au Parlement de la Communauté française, au Sénat, à la Chambre des représentants, au Parlement de la région de Bruxelles-Capitale, au Vlaams Parlement, au Parlement der Deutschsprachigen Gemeinschaft, à l'Assemblée de la Commission communautaire française, à l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune et au Rat van de Vlaams Gemeenschapskommissie. Mesdames, Messieurs, permettez-moi, comme il se doit, et je le fais volontiers, de vous remercier pour la confiance que vous avez témoignée non seulement en la personne des deux secrétaires, des deux vice-présidents et de votre serviteur. J'y vois là probablement une volonté de votre part de poursuivre l'évolution de ce Parlement, davantage ouvert à nos concitoyens, sensible aux questions internationales, au travail avec une
multiplication des propositions de décrets. Je vous avais invité à en déposer davantage et je vois que ça a été le cas ces derniers mois. Je ne peux donc que nous en féliciter de voir chacun et chacune des membres de cette Assemblée saisir cette belle opportunité de pouvoir légiférer. L'occasion aussi pour moi, très simplement, de vous dire, et inutile de vous le rappeler, qu'il s'agit d'une année un peu particulière. Particulière puisque c'est la dernière année de la législature et qu'ensuite elle sera émaillée par des élections toujours passionnantes et passionnées au niveau local et provincial. Et puis que nous aurons au début de l'année prochaine des élections là, générales, si j'ose dire, pour la Chambre des représentants, jusqu'à y compris le Parlement européen, sans oublier bien sûr notre propre Parlement. Et à côté de cette tâche qui nous attend de sensibiliser, d'informer, de convaincre nos concitoyens et concitoyennes, nul doute que vous aurez à cœur de venir ici défendre vos projets. Monsieur le ministre-président, je vous ai entendu, je vous ai lu, je sais que vous voulez presser le pas et que votre gibecière est bien remplie. Nul doute que vous alimenterez le débat et qu'à l'inverse, il ne vous étonnera pas de voir les membres de la majorité s'impatienter, peut-être pour corriger tel ou tel texte, pour déposer à leur tour des initiatives, et enfin l'opposition, qui s'y est préparée depuis plusieurs semaines, de tenter de concrétiser leurs projets en délibération au sein de cette Assemblée. Ça nous promet dès lors des débats particulièrement vifs, animés, de quoi personnellement me plaire, et j'imagine aussi, et je les salue au passage, nos amis journalistes qui ne manqueront pas d'épingler les échanges qui seront les nôtres et les délibérations que nous allons prendre. C'est donc une année pleine et entière qui nous attend, même si parfois nous serons pressés ou que nous aurons dans un coin de la tête d'autres échéances pour bien véhiculer les valeurs qui sont les nôtres, chacune dans nos formations politiques. Vous aurez constaté que ce Parlement ne cesse d'évoluer pour se professionnaliser, pour davantage s'ouvrir à l'extérieur. Et je voudrais vraiment remercier le secrétaire général, notre greffier, M. Frédéric Janssen, ainsi que tous les membres du personnel qui constamment continuent à s'adapter à cette volonté d'inscrire notre Parlement comme une assemblée où chacun s'exprime, où chacun est sensible à l'opinion de le public et où nous retrouvons des éléments de respect mutuel des uns et des autres. J'espère enfin que nous aurons l'occasion, Monsieur le ministre-président, de poursuivre l'étage que nous nous sommes donné à l'international, beaucoup de débats, le Brexit, le livre blanc nous attend, tout cela, j'imagine, sera aussi au centre de nos préoccupations. Je n'ai pas d'autre mot que de vous souhaiter à chacune et chacun un excellent travail au sein de cette Assemblée. Pour le reste, vous comprenez que c'est plus difficile. Je veux bien vous souhaiter à chacune et chacun plein succès, mais parfois ce n'est pas compatible dans une même commune, dans une même province, mais que chacun y voit en tout cas un témoignage de l'estime, de l'engagement qui est le vôtre. Et je voudrais clôturer par cela. Je sais qu'il y a eu beaucoup de débats sur les cumuls, sur la présence des femmes et des hommes politiques, mais je veux ici dire haut et fort que vous toutes et tous, vous êtes très nombreux, toujours présents et au travail. Et s'engager en vie politique, ça n'est pas simple. C'est porter aussi des difficultés, les entendre, être parfois confronté à des moments difficiles. Et c'est vraiment tout cela, me semble-t-il, l'honneur d'un engagement politique. Et je voulais aussi vous témoigner ma gratitude pour chacune et chacun, dans votre commune, votre province, et surtout ici au Parlement, de relever cette noble tâche qui est particulièrement nécessaire. Voilà, je n'ai d'autre vœu qu'au nom du bureau et de celles et ceux qui m'accompagnent dans ce bureau, de vous souhaiter une excellente année parlementaire avec énormément de rebondissements, de délibérations, d'adoptions, de passions. Et j'espère que la raison primera toujours au moment du vote. Excellente année parlementaire. Bien. Les institutions européennes ne nous ont pas oubliés puisqu'elles nous ont transmis 3 consultations. Divers documents m'ont été adressés et ont été envoyés aux commissions concernées. Le gouvernement m'a transmis 32 arrêtés de reventilation des crédits budgétaires. Bien sûr, ces arrêtés seront transmis aux membres de la Commission du budget de l'énergie et du climat. La Cour constitutionnelle m'a fait parvenir 29 notifications d'arrêt. La liste reprenant les documents, les arrêtés de reventilation des crédits budgétaires, les modifications d'arrêt de la Cour constitutionnelle est adressée aux membres. Tous les documents cités sont à la disposition des parlementaires qui émettraient le souhait d'en prendre connaissance.
La liste des projets de décret déposés au Parlement par le gouvernement et des rapports de commission a été adressée aux membres. Son contenu sera reproduit in extenso dans le compte rendu. Chers collègues, l'ordre du jour, en application des articles 95 et 126 du règlement, appelle notre Parlement à se prononcer sur la prise en considération des propositions suivantes. La proposition de décret déposée par Mme Reckmans, document 1160 numéro 1. La proposition de résolution déposée par Mme Moinet, M. Le Serre, Fournier, Wall, 1161 numéro 1. Elles ont été imprimées et distribuées. Quelqu'un demande-t-il la parole sur leur prise en considération ? Personne ne le souhaitant. Les propositions sont prises en considération. La proposition 1160 sera renvoyée à la Commission de l'agriculture, du tourisme et du patrimoine. La proposition 1161 à la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et des travaux publics. Chers collègues, conformément à l'article 69 du règlement, les déclarations d'intérêt régional ont lieu en ce début de séance. L'ordre du jour appelle les déclarations d'intérêt régional de Mme Brognier et ensuite de M. Henry, me dit-on, sur le même sujet, mais nous allons le découvrir. Mme Brognier, et puis nous aurons M. Henry. Bonjour à tous, mesdames et messieurs les ministres, chers collègues, je ne vous apprendrai rien. Notre région a, dès ce printemps, été touchée par une sécheresse exceptionnelle, tant par sa durée que par son intensité. Alors si cette longue période sans pluie a fait le bonheur de certains, il n'en a pas été de même pour les agriculteurs qui ont été amenés, d'une part, à entamer leurs réserves hivernales de fourrage. Et une autre conséquence a été que la maturation et la croissance du maïs ont été perturbées. L'ensilage se fait beaucoup plus tôt que prévu et ni la qualité ni la quantité ne sont au rendez-vous. Donc la difficulté majeure auxquelles seront très, très rapidement confrontés principalement nos éleveurs sera de combler ce déficit en aliments et les coûts risquent immanquablement d'augmenter. Donc il me semble vraiment important aujourd'hui d'accélérer les procédures en termes de calamité agricole et que les indemnités soient versées le plus rapidement possible aux agriculteurs touchés pour soulager les trésoreries. Ça, c'était un premier souhait. Et d'autre part, il semble également important de plancher très sérieusement sur la mise en place d'une assurance récolte. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci, Mme Brognier. Monsieur Henry, pour une minute, si possible. On vous écoute, monsieur le député. Merci, monsieur le président. Chers collègues, nous avons connu effectivement un été chaud, très chaud, caniculaire, le plus long, le plus chaud, le troisième plus long, plus chaud depuis l'histoire des relevés. Alors, chaque année, les records se succèdent. Parfois, c'est le jour le plus chaud, parfois, c'est la période la plus longue. Ce sont les pluies très fortes et on voit en réalité, finalement, dès maintenant, même chez nous, aujourd'hui, la réalité du changement climatique et de ses conséquences. Bien sûr, en agriculture, on vient d'en entendre parler, dans certains secteurs industriels, sur la santé de la population, par exemple, chez les personnes âgées. Ça mesure évidemment l'importance d'agir très vite. On le sait, ce problème est global, mondial. S'il n'y a pas une action forte dans les 10 ans, on ne sera plus en mesure de limiter ce phénomène dans des proportions raisonnables. Nous attendons donc de la Wallonie, de son gouvernement, de son Parlement, année électorale ou pas, que des mesures fortes soient prises. Jusqu'ici, les discours ont pris en charge ces difficultés, ces objectifs, mais les actes concrets à court terme que l'on peut mesurer ne sont pas encore à la hauteur de l'ambition. Merci, monsieur le député. Voilà, nous en avons terminé avec les déclarations d'intérêt régional et nous passons, conformément à l'article 68 du règlement, aux questions urgentes qui ont lieu en début d'après-midi. Les premières sont adressées au ministre Di Antonio. Elles nous viennent de Mme González Moyano, de Mme Baltus Morès et de M. Fourny. Alors, Mme González Moyano, nous vous attendons et puis vos collègues se suivront à la tribune et le ministre vous écoute ainsi que tous les membres de cette Assemblée. Merci, Monsieur le Président, chers collègues, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Ministre, depuis le 1er juillet, les candidats au permis de conduire
peuvent passer un test de capacité technique à la conduite. Une fois ce test réussi, ceux-ci peuvent se présenter à la commune pour obtenir un permis provisoire. Il semblerait que certaines communes refusent de délivrer ce permis provisoire qui leur permet évidemment de poursuivre leur apprentissage sans un guide. Aussi, comme nous le savons, Monsieur le Ministre, actuellement, les conditions de formation sont régies par les pouvoirs régionaux, mais la délivrance du document, donc du permis de conduire, dépend encore du fédéral, puisque c'est un document qui est reconnu internationalement. Alors, aussi, face à cet imbroglio belgo-belge, puis-je dire, Monsieur le Ministre, que comptez-vous faire, puisqu'il s'avère que les communes ne disposent pas de la circulaire validant ce TCTC? Alors, pouvez-vous nous en dire davantage? Comment comptez-vous régler cette situation au plus vite, étant donné que cette réforme est entrée en vigueur depuis maintenant plus d'un mois, Monsieur le Ministre? Merci d'avance pour vos réponses. Merci. C'est au tour de Mme Balthus-Morès de venir développer sa question urgente sur le même thème et toujours, bien sûr, à l'adresse du ministre Di Antonio. Nous vous écoutons, madame. Merci, monsieur le président, mesdames et messieurs les ministres, chers collègues. En effet, moi aussi, j'aimerais changer des disques, mais il y a encore des problèmes en ce qui concerne la réforme du permis de conduire. Maintenant, en ce qui concerne la délivrance du permis de conduire provisoire. Je pense que ma collègue a déjà expliqué de quoi il s'agit. Moi aussi, je pense que c'est quand même une investition conséquente. Ça coûte 60 euros de faire ce test d'aptitude. Et si on se voit après même refuser la délivrance de ce TCPC, c'est quand même dommage. Maintenant, mes questions à vous, monsieur le ministre, sont les suivantes. Tout d'abord, est-ce que vous êtes au courant de ce refus? De quand date-t-il? Est-ce qu'il faut attendre d'autres refus? Mais aussi, ce qui est très important, quelle initiative voulez-vous et allez-vous prendre pour résoudre ce problème? Et d'une manière plus générale, comment voulez-vous rassurer les candidats afin que ces mésaventures ne se reproduisent plus? Je me souviens d'une question précédente où vous avez parlé d'une évaluation sur la réforme dans les mois d'automne. Peut-être là, vous pouvez dire quelque chose de plus. Merci. Merci, madame la députée. Monsieur Fourny. Pour clôturer le trio de parlementaires qui interrogent le ministre sur la question. Nous vous écoutons. Je vous remercie, monsieur le président. Mes collègues ont planté le décor. Les questions complémentaires que je souhaite poser sont de savoir, certaines communes ont refusé de délivrer l'attestation. Qu'en est-il de ceux qui ont disposé du test de capacité? Que vont-ils pouvoir faire demain? Est-ce qu'ils pourront quand même se présenter dans leur commune et pouvoir poursuivre leur cursus et obtenir l'autorisation pendant les 18 mois de continuer à conduire? Ça, c'est la première question, puisque d'aucuns refusent, certains acceptent. Deux, au niveau de la Flandre, celle-ci avait contesté également la compétence du fédéral. Quelle est sa position actuellement? Et troisième question, ce débat, inévitablement, va arriver devant le comité de concertation au niveau fédéral. Avez-vous une échéance quant à cette prochaine réunion du comité de concertation? Avez-vous mis le point à l'ordre du jour et quelles sont les perspectives afin de pouvoir rassurer toutes celles et ceux qui ont passé ces tests d'aptitude technique et qui aujourd'hui se retrouvent face à une interrogation quant au fait de savoir s'ils pourront ou non disposer d'une attestation provisoire? Je pense qu'il y a un signal clair qu'il faut pouvoir donner. Voilà les trois questions complémentaires que je souhaitais vous adresser aujourd'hui. Merci, monsieur le député. D'emblée, nous appelons le ministre pour répondre aux trois parlementaires sur cette problématique. Nous vous écoutons, monsieur le ministre. Merci, monsieur le président. Mesdames, monsieur le député, effectivement, c'est un imbroglio administratif que nous devons régler très rapidement. Donc, j'ai pris contact, après avoir vu l'article ce matin, on avait déjà eu des échos de ce type ces derniers jours. J'ai pris contact avec, évidemment, François Belot. Nous allons essayer de mettre Ben Waits autour de la table, parce que c'est là que se pose le problème. Donc, la compétence de délivrance du permis est bien une compétence fédérale. Nous ne le contestons pas, même si on regrette que, finalement, il y ait une disparité entre le début de la filière et la fin. Enfin, les choses sont comme ça. Par contre, en Flandre, le fait que le fédéral soit totalement compétent sur cet aspect-là des choses a été contesté et continue à l'être par Ben Waits. Ça a amené le Conseil d'État à prendre position. Il a reconfirmé
que les régions étaient bien compétentes pour le certificat d'aptitude, mais qu'ensuite la délivrance du permis était bien au niveau fédéral. Donc pour certaines communes, les choses semblent suffisamment claires, d'autres sont plus prudentes et ne veulent pas délivrer ce permis provisoire. Nous devons absolument, dans les prochains jours, régler ça pour les gens qui sont en attente, puis qu'ils puissent disposer très rapidement d'une formule leur permettant d'avoir droit à leur permis provisoire pour 18 mois. J'en appelle, on a eu un contact avec le cabinet Bainwaite, je pense qu'il est de bonne composition pour essayer de trouver une solution très rapide. On ne peut pas, sur cette discussion finalement de répartition des compétences entre la Flandre et le fédéral, en arriver à bloquer des gens qui ont passé les étapes, qui ont passé les examens, qui ont payé et qui ne peuvent pas aujourd'hui disposer de documents auxquels ils ont droit. Merci. Nous revenons vers les parlementaires. Madame González. Je remercie Monsieur le ministre pour ses réponses. J'entends bien qu'une formule sera incessamment sous peu proposée. En attendant, je trouve que vous avez apporté, comment dirais-je, une nouvelle réforme sans attendre l'avis du Conseil d'État. Et je pense que vous avez de nouveau mis la charrue avant les bœufs, Monsieur le ministre. Madame Balthus-Morez. Merci, Monsieur le ministre, pour cette réponse. On vous a demandé d'un signal clair, simple et efficace pour les candidats au permis de conduire. Et je juge que c'est une bonne signe que vous parlez d'une solution dans les prochains jours. Je pense que c'est ça qu'il faut, parce que chaque jour d'attente est un jour de trop. Il y a les situations où les gens veulent travailler, où ils sont bloqués quand ils n'ont pas leur permis de conduire provisoire, ou d'autres situations très difficiles aussi. Donc, vraiment, encore une fois, j'espère que vraiment cette solution sera trouvée très vite et que l'évaluation générale de cette réforme aussi apporte des améliorations. Merci. Merci, Monsieur Fourny. Je me réjouis que le ministre ait pris des initiatives pour contacter ses collègues et essayer de trouver une solution pragmatique aux problèmes qui se posent. Maintenant, je pense que les communes doivent aussi prendre quelque part une certaine liberté, puisque certaines l'ont fait et ce n'a pas été querellé par le fédéral, et bien que celles qui ont des doutes aujourd'hui, et bien qu'elles continuent à délivrer ces attestations. Il me semble que c'est utile, puisque le ministre annonce une solution pragmatique avec les autres ministres dans les prochains jours. Ne faisons pas peur aux jeunes, donnons-leur l'espoir d'une résolution rapide du problème. C'est un problème purement administratif. Moi, j'invite vraiment les communes à ne pas bloquer la situation et à continuer à délivrer. Alors, Monsieur le ministre, plus d'autres commentaires ni réactions ? Très bien. Voilà qui clôt l'échange pour ces questions d'urgence. Et nous passons au troisième point de l'ordre du jour, les questions d'actualité, conformément à l'article 60 du règlement. Nous appelons M. Dresse, qui souhaite s'adresser à la ministre Gréoli sur l'ouverture à Liège d'une salle de consommation à moindre risque et les perspectives d'encadrement et de financement de ce type de structure en Wallonie. Nous vous écoutons, M. le député. Merci, M. le Président, chers collègues, chers amis du gouvernement, Mme la ministre. C'est un jour historique aujourd'hui à marquer d'une pierre blanche, puisque vient de s'ouvrir il y a à peine 2 heures la première salle de consommation à moindre risque de Belgique, à Liège, TADAM, organisée par TADAM. Le nom est un nom bien liégeois et wallon, c'est Safety, sauve-toi, dans le sens pas courir, mais dans le sens soigne-toi et avec notre aide essaye de sortir de ce pétrin. La problématique est maintenant bien connue du Parlement, puisque nous avons débattu dans votre commission, Madame la Ministre, et ici dans cette Assemblée, avec l'adoption à la quasi-unanimité d'une résolution qui avait été portée par moi-même avec le concours notamment de Christine Defraigne, d'Alain Onkelings, de Philippe Henry, aussi par la suite et encore d'autres. Donc il y a une unanimité sur le sujet, à Liège aussi, puisque le conseil communal a approuvé le projet de manière unanime et depuis longtemps, puisque ça fait 20 ans qu'à Liège on s'intéresse et on travaille à cette problématique. Et c'est 32 ans après la première ouverture à Genève en 86, la première salle de consommation en Europe. Il y en a aujourd'hui 90 dans 64 villes. Toutes font l'objet d'évaluations positives, aucune n'a fermé. Et donc il était temps qu'en Belgique, on y vienne aussi. Sachant que dans une ville comme Liège, il y a 2000 héroïnomanes, dont 15% se droguent en rue. Ça fait quand même 1000 actes en rue, c'est énorme.
Et donc l'objectif ici est de limiter cette situation et de permettre aux personnes concernées d'avoir des conditions sociales et sanitaires et médicales optimales. Et donc dans ce contexte, Madame la Ministre, quelles sont mes questions? Mais d'abord, comptez-vous encadrer l'émergence de salles de consommation en Wallonie? Avez-vous connaissance d'autres grandes villes wallonnes qui s'intéressent à cette problématique? Avez-vous des contacts avec l'État fédéral qui reste compétent avec la loi de 21, même si l'essentiel a été délégué aux régions avec la 6e réforme de l'État? Et même si je viens d'apprendre que le dossier ne vous est pas encore adressé, réserverez-vous une suite favorable à une demande de financement qui ne manquera pas de vous parvenir, de cofinancement, puisque à ce stade, le projet est financé sur fonds propres par la ville? Merci. La parole est à la ministre de la Santé, Madame Aldagiroli. Nous l'écoutons. D'abord, bonjour à toutes et à tous. Heureuse de vous retrouver. Et donc, heureuse de vous retrouver, effectivement, avec une bonne nouvelle, puisque Liège a ouvert aujourd'hui cette salle de réduction des risques et de consommation accompagnée. Et bonne nouvelle, pourquoi ? Premièrement, parce que à la fois au niveau fédéral et la ministre en charge de la Santé et au niveau de Liège, les tribunaux ont bien dit que malgré le côté un peu borderline du projet, il n'y aurait pas de poursuite et il n'y a pas eu de volonté de l'en empêcher. Première bonne nouvelle. Deuxième bonne nouvelle, mais vous le saviez dans cette assemblée, je soutiens pleinement ce projet. Troisième, enfin je me permets de dire que c'est une bonne nouvelle. Troisième bonne nouvelle, c'est que vous m'apprenez, monsieur le député, que Liège ne tardera pas à m'envoyer un dossier et nous pourrons comme ça ouvrir un certain nombre de négociations sur l'aide que pourrait apporter la région Wallonne, ce que j'espère, à ce projet. Pour ce qui concerne d'autres salles de consommation à moindre risque, à ce jour, je ne suis saisie d'aucun dossier. Pas plus que du dossier liégeois, mais vous m'annoncez qu'il va m'arriver. Voilà, donc à la fois, effectivement, c'est un combat de longue durée et dont on peut se réjouir. On avait laissé à Liège Tadam sous le boisseau. Voilà qu'il peut renaître de ses cendres. Et donc, la rentrée commence bien. Je vous remercie. Très bien. Monsieur le député, une réaction, monsieur de Rez. Je crois qu'on peut être d'abord heureux pour les personnes concernées, heureux du soutien unanime du Parlement et du gouvernement, et puis savoir que le dossier finira bien par devenir fédéral, ne fût-ce que parce qu'à Anvers, le CPS d'Anvers, sans en faire trop de publicité, met à disposition des logements à des personnes toxicomanes qui donc se droguent chez elles dans un local qui est finalement un local de propriété publique. Il y a donc des similitudes. Bruxelles, m'a-t-on dit, avance sur un projet avec la structure Transit. Et donc je crois que maintenant, la voie est tracée, on ne peut que s'en réjouir. Fort bien, s'il n'y a plus d'autres réactions, l'ordre du jour appelle les questions d'actualité au ministre Jeollet, d'une part de Mme Tilleux sur le report de la réforme des aides à l'emploi, APE, et de Mme Reckmans sur le report, là aussi à janvier 2020, du démarrage de la France transitoire de la réforme des aides à l'emploi. Nous vous écoutons, Mme la députée. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, chers collègues, la réforme APE a fait couler déjà beaucoup d'encre. Vous avez annoncé une réforme radicale. Vous avez provoqué énormément d'inquiétudes dans le secteur. C'est tout de même plus de 60 000 emplois et c'est tout de même près de 4 000 employeurs. Et durant les vacances, vous avez voulu tenter de rassurer en annonçant un report de votre réforme, de son entrée en vigueur et de la période transitoire. Donc ma question, bien légitime me semble-t-il, sera de vous demander quelle est la portée de ce report d'entrée en vigueur de votre réforme APE. Qu'en est-il des montants consacrés à cette politique? Dans les réponses que vous adressez à ceux qui s'inquiètent, vous dites qu'il n'y aura pas de diminution de moyens, mais l'inquiétude, elle vient du secteur lui-même, de savoir si oui, l'indexation sera couverte et si oui, les barèmes pourront être respectés. En tout cas, en l'état actuel des choses, ce n'est pas le cas. Vous avez également exclu des secteurs. Qu'en est-il? Restez-vous sur ces exclusions. Vous avez aussi
nous semble-t-il, prévu de réduire des moyens pour ceux qui avaient des contrats à durée déterminée, qui pouvaient compter sur 100% de subventions, et puis tout à coup, là, se verront amputés de 20%. Donc, qu'en est-il ? Espérons que vous avez pu réfléchir pendant ces vacances pour éviter de sacrifier l'emploi. On sait que ce sont des services rendus à la collectivité dont on a bien besoin. Donc, j'aimerais vraiment avoir vos explications, ainsi que sur la question d'un buffer, d'une réserve que vous voulez mettre en œuvre, que vous avez prévu à raison de 30 millions, pour venir et alimenter ceux qui auraient peut-être des difficultés dans le cadre de subventions, c'est-à-dire qui auraient moins de moyens pour pouvoir continuer le service. Vous reconnaissez par vous-même qu'il y aura dès lors vraiment des difficultés dans le nouveau calcul que vous allez lancer, mais j'attends vos explications. Merci madame. J'invite madame Reckmans à venir développer sa question sur le même sujet à l'adresse du ministre de l'Emploi, Pierre-Yves Jéhollet. Nous vous écoutons, madame. Bonjour à toutes et à toutes. Monsieur le ministre, effectivement, fin juillet, vous avez annoncé le report du démarrage de la phase transitoire. C'est évidemment, nous en prenons acte, c'était évidemment le moins que l'on pouvait attendre devant l'inquiétude qui a été soulevée auprès des employeurs, les associations et les pouvoirs locaux. Nous envisageons et nous vous demandons donc quel sera votre calendrier, monsieur le ministre, pour préparer enfin une réelle concertation avec les employeurs. Comment vont-ils être associés à la réflexion? Quel est votre calendrier? Comment allez-vous avancer? Deuxième question, comment va se préciser pour chacun des employeurs le coût et l'impact de cette réforme? Ils disposent de chiffres officieux par le biais d'un calculateur. Est-ce que ces chiffres peuvent être confirmés par votre calculateur officiel? Pour l'instant, les chiffres que nous recevons et qui nous viennent du terrain sont particulièrement alarmants sur les conséquences de la réforme. Monsieur le ministre, vous annoncez aussi, peut-on attendre aussi, et quel est votre calendrier pour l'ensemble de la réforme? Cette réforme, elle n'aura de sens que si, ce report, pardon, n'aura de sens que si une réelle concertation a lieu et si nous avons une perspective et si nous comprenons quelle est la réforme complète que vous envisagez. Une phase transitoire, elle se met en place quand on sait où on va. Actuellement, quel est le calendrier et comment le gouvernement compte-t-il avancer? Dernière chose, la transparence envers le Parlement. Vous aviez été le premier demandeur d'un cadastre et d'une transparence complète sur les aides à l'emploi. Vous êtes maintenant à la responsabilité de cette matière. Nous vous demandons, nous aussi, la plus grande transparence. Comment les secteurs sont-ils aidés? Comment les employeurs vont-ils être classés dans le cadre de la réforme sous les différents ministres fonctionnels? Ce sont toutes ces questions qu'il importe de répondre pour répondre à l'inquiétude importante de tout le secteur. Merci, madame la députée. Nous nous tournons vers le ministre de l'Emploi. Monsieur le ministre. Merci, monsieur le président. Et je crois que madame Tillieu connaissait bien le dossier. Madame Tillieu, ce n'est pas 4 000 travailleurs, c'est 4 000 employeurs et 60 000 travailleurs, le dispositif APE. C'est très, très différent. Et donc, je peux vous rassurer. Je pense bien que c'est ce que j'ai dit, regarder le compte rendu. Je peux vous rassurer que le dispositif tel qu'il sera réformé et maintenu parle bien de 60 000 travailleurs et pas 4 000 travailleurs. Je suppose que votre intention n'est pas de supprimer l'ensemble du dispositif de cette aide à l'emploi. Deuxième élément concernant le report, pas de la réforme. La réforme sera bien d'application le 1er janvier 2021. Il y a un report de la disposition transitoire. Disposition transitoire qui devait porter sur 2 ans et qui portera sur 1 an. Ça veut dire que le dispositif tel qu'il existe aujourd'hui sera encore en pleine application pendant l'année 2019. Et la période transitoire ne portera plus que sur 1 an. Par rapport au contrat à durée déterminée, je rappelle que c'était un engagement du précédent gouvernement pour les points accordés à durée déterminée, notamment dans le cadre du plan Marshall, c'était
une période bien définie. Dans le cadre de la réforme, j'ai considéré que ces points déterminés, nous allions, à travers la subvention, les prolonger de façon structurelle à raison de 80% de ces points. Donc c'est beaucoup plus que ce qui était prévu auparavant. Et donc, par rapport à la période transitoire jusqu'au 31 décembre 2019, tous les employeurs pour qui ces points arrivent à durée déterminée devront refaire une demande et nous les appliquerons à 100% pour cette période transitoire. Tous les employeurs ont été prévenus à travers les différentes fédérations, à travers les différents secteurs, ainsi que la DGOCIS. Je demande simplement, je fais déjà un appel aujourd'hui, à ce que les délais soient respectés en ce qui concerne les demandes, puisque ça n'a pas toujours été le cas. En ce qui concerne la transparence, nous faisons cette réforme en toute transparence, ce qui n'était pas nécessairement le cas auparavant. Et dans les critères qui sont retenus par la responsabilité fonctionnelle et donc par les ministres fonctionnels, il y aura bien cette transparence, ce cadastre des subventions accordées aux employeurs avec aussi plus d'objectivité, moins de subjectivité, plus d'éthique, plus d'équité et plus transparence. Ce qui est prévu, et c'est pour ça que nous avons souhaité postposer la période transitoire d'un an, c'est qu'avec le Forum, qui est en train d'étudier toutes les données, un screening très précis des données. Madame Tillieu, je pense que si peut-être vous l'aviez fait auparavant, on n'en serait pas là aujourd'hui. Un screening précis par rapport à toutes les données concernant les employeurs pour qu'on puisse, d'ici la fin de l'année, comme je m'y suis engagé, à faire connaître à l'ensemble des employeurs la situation exacte avant et après la réforme. Et donc, c'est en toute transparence qu'on va le faire. Et tout simplement parce qu'on était avec le Forum, mais aussi, vous le savez, il y a les subventions APE, mais aussi les réductions de cotisations sociales. Et nous dépendons de l'ONSS. Nous n'étions pas en mesure d'informer les employeurs suffisamment tôt à ce que la période transitoire soit déjà d'application le 1er janvier 2019. C'est pourquoi nous avons souhaité prolonger cette période, de raccourcir cette période, je veux dire, transitoire. Et concernant la concertation, je termine par là, je n'accepte pas le fait qu'il n'y ait pas eu de concertation jusqu'à présent, mais sereinement et positivement, nous allons poursuivre la concertation avec l'ensemble des acteurs concernés. Nous avons déjà trouvé des solutions par rapport à certaines demandes. J'espère qu'on pourra encore en trouver, mais il appartiendra, in fine, au gouvernement de trancher la future réforme que nous comptons évidemment mettre en œuvre. C'est une réforme ambitieuse, maintenant une aide structurelle à des secteurs qui en ont besoin aujourd'hui. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Nous retournons vers vous, Madame la députée, Madame Pilleux. Que dire sinon que c'est pathétique? Voulez-vous repasser l'enregistrement de ma question? J'ai prononcé les bons chiffres? Je ne fais pas campagne, Monsieur Jollet, je suis au Parlement et comme parlementaire, je vous interpelle. Et vous vous amusez à votre intervention, juste pour essayer de détourner l'attention, parce que cette question, elle est fondamentale et elle est importante. Et vous parlez de slogans, plus de transparence, plus d'éthique, ce que vous n'avez pas fait, mais vous faites pire, vous faites tout l'inverse. Vous ne répondez pas aux questions. Quelle sera l'année de référence pour votre calcul? Personne ne sait aujourd'hui répondre dans le public et dans les bénéficiaires et chez les employeurs sur la manière dont votre calcul sera effectué. Ce n'est pas vrai. Si c'était si clair, si transparent, si il n'y avait pas d'inquiétude sur l'emploi, alors pourquoi tout ce soulèvement? Quel coefficient d'indexation allez-vous appliquer? Allez-vous clairement pouvoir couvrir les besoins du secteur? Combien allez-vous prévoir en 2019, en 2020 pour couvrir l'emploi, le financement de l'emploi et maintenir le volume de l'emploi? Parce que ça aussi, dans votre réforme,
ce n'est plus une obligation. On n'est plus dans une politique d'emploi. Vous ne souhaitez plus contrôler que l'emploi, que les moyens financiers dévolus à l'emploi servent bien à augmenter l'emploi en Wallonie. Je vous remercie, Monsieur le Président, mais j'aurai encore bien des questions à poser à Monsieur Jollet. Je l'imagine, mais il y aura d'autres rendez-vous. Je vous fais confiance. Madame Reckmans. Effectivement, nous aurions attendu des réponses beaucoup plus précises sur votre calendrier, Monsieur le Ministre, sur la réelle volonté du gouvernement wallon d'entamer une réelle concertation avec les pouvoirs locaux, avec les associations du non-marchand. Qu'est-ce que nous devons dénoncer? Nous devons bien voir qu'il y a une précipitation. La précipitation que vous avez mise à annoncer la réforme a plongé l'ensemble des employeurs dans l'incertitude. C'est une première chose. La deuxième chose, c'est cette absence de concertation que vous dites mettre en place maintenant. Si elle avait eu lieu, les manifestations et les rencontres ici à Namur ou à Sambreville n'auraient pas eu le succès qu'elles ont eu. Ce report, c'est bien le minimum. C'est donc vraiment une réelle concertation auquel le gouvernement wallon doit ouvrir la porte. Enfin, l'absence de transparence sur la réforme. Que sera cette réforme en réalité? Comment les pouvoirs locaux, comment les associations vont-elles pouvoir assurer les services essentiels qu'elles assurent, comme vous l'avez vous-même épinglé, aux citoyens et aux usagers et aux communes? Aujourd'hui, de partout, je le répète, les chiffres de pertes importantes nous arrivent. Ce n'est évidemment pas comme ça que l'on va soutenir les secteurs et que l'on va renforcer une politique sociale. Enfin, vous n'avez pas répondu sur la réserve des 30 millions. Aurez-vous assez avec la réserve des 30 millions qui est prévue pour conserver chacun de ces services qui sont indispensables à la collectivité? Merci. Y a-t-il d'autres commentaires? D'autres? Oui, monsieur le ministre. Deux, trois remarques. Je vous dis sans polémiquer, mais Madame Tillieu, vous avez un culot exceptionnel. Depuis le premier jour dont vous n'êtes plus en fonction en tant que ministre avec ses responsabilités. En général, il y a un devoir de réserve. Vous n'avez jamais eu, mais vous avez un culot dingue de critiquer tout ce que vous avez été incapable de faire pendant des années. Et je le dis vraiment avec beaucoup de sérénité, beaucoup de calme, mais franchement, avoir un culot comme ça, je dois dire que c'est pas mal. Et pourquoi ce soulèvement, comme j'entends? Parce qu'il y a des campagnes de désinformation, de dénigrement par rapport aux dispositifs, de certaines formations politiques, de certains parlementaires, de certains partis politiques. Le Parti socialiste a fait une véritable campagne de désinformation, à l'image de l'FGTB qui a fait une campagne d'affichage depuis plusieurs semaines dans les bâtiments publics. Les gens dans la rue étaient des idiots, monsieur. Oui, écoutez, vous voulez que je fasse le lien avec le Parti Socialiste et la FGTB dans des bâtiments publics? Monsieur Dermagne, vous n'avez pas la parole. Entre les travailleurs qui étaient dans la rue, tous des idiots, monsieur Jollet, point d'interrogation. Mais je sais que ça vous ennuie. Je sais que ça vous ennuie. Mais manifestement, il n'y a pas de souci. Des mandataires socialistes dans la commune qui acceptent qu'un parti comme la FGTB fasse une vraie campagne. Ouais. Ah mais, vous savez, pour moi, c'est un parti. Il y a longtemps que la FGTB ne fait plus du syndicalisme de conviction, mais fait du syndicalisme politique. FGTB, Parti Socialiste ou FGTB, pour moi, c'est le même combat. Et je le dis... La FGTB, pourquoi parlez-vous aux absents? S'il vous plaît. C'est pas correct. Non, la FGT, Madame Zrienne, Madame, c'est un parti pris. Un parti pris pour le Parti Socialiste et parfois pour le PTB. Mais ça, ce n'est pas grave. Ce qui est plus grave, c'est que des mandataires socialistes dans les communes acceptent des campagnes d'affichage de la FGTB contre un dispositif avec une désinformation totale. On est dans le déni aujourd'hui. Et donc, je vous confirme que le timing qui est prévu... On a reporté un an tout simplement pour pouvoir concerter, pour pouvoir rassurer les employeurs dans une réforme ambitieuse, je vous le rappelle, qui pèse 1 milliard dans le budget de la région wallonne. Le ministre en réagit. J'invite les parlementaires, dans le respect des temps de parole, à s'exprimer. Madame Tilleux. Alors, je ne sais pas où se trouve la désinformation ou le dénigrement autour de ces bancs du Parlement. J'ai ma propre idée, chacun aura la sienne, y compris derrière l'écran de télévision.
Fondamentalement, vous parlez d'un milliard. Vous parlez d'un milliard. Mais dites-moi précisément les montants que vous prévoyez hein, pour tous ces emplois APE. Dites-moi le chiffre exact. Alors, monsieur le ministre, je suis désolé en principe. Vous bien répondre, mais... Et je le dis à madame Tilleul, ce n'est plus l'heure des questions, c'est l'heure de la réplique sur une deuxième réponse. Et donc je constate que monsieur Jollet ne donne pas les chiffres précis. Procédé, quel procédé lamentable. J'ai posé la question dès la première fois. Déjà qu'au niveau de la déontologie, c'est limite, mais alors là... Deuxième fois. Bien. Monsieur Jollet ne daigne pas répondre aux questions qu'on lui pose. Fondamentalement, aujourd'hui, aucun des employeurs qui aujourd'hui bénéficient des emplois APE ne peut se targuer d'être certain que demain, il sera toujours bénéficiaire, il sera toujours éligible aux emplois APE, dès lors que les enveloppes vont être cédées dans les politiques fonctionnelles à d'autres ministres avec d'autres règles. Et donc aujourd'hui, il n'y a... Coupez le micro. Je suis désolé. Il y a un temps de parole qui est identique pour chacun et chacune. Je veux bien faire preuve d'une mensuétude, c'est la rentrée. Mais lorsqu'on double le temps de parole, ça n'est plus équitable pour les autres. Madame Breckmans. Il est particulièrement regrettable que le ministre passe son temps à ne pas répondre sur le fond. Je pense que c'est ça qui aurait été nécessaire pour les citoyens, pour les pouvoirs locaux, pour les associations. Nous craignons finalement que ce report, ce soit simplement la possibilité de passer le cap des élections communales et sans rien changer sur le fond. Nous partageons l'inquiétude de tous les secteurs. Ils sont dans l'inquiétude et c'est cette inquiétude-là qu'il faut résoudre au plus vite. J'appelle la question d'actualité de M. Dermagne au ministre-président Willy Borsu sur l'état d'avancement du volet wallon du plan national d'investissement. Nous vous écoutons, monsieur le député. Merci, monsieur le président. Bonjour à chacune et à chacun. Alors, comme mon excellente collègue Eliane Tilleul, je reviens, monsieur le ministre-président, avec un sujet qui me tient particulièrement à cœur, à savoir la nécessité d'investir de manière massive dans des points essentiels de la vie en société, la santé, la mobilité et d'autres, de soutenir des secteurs d'avenir comme la recherche ou encore de développer toute une série d'infrastructures absolument essentielles. L'actualité tragique du 14 août dernier en Italie nous a d'ailleurs rappelé que l'investissement n'est pas seulement une question de chiffres, de budget, d'infrastructure, mais clairement qu'elle peut être aussi, et on l'a appris de manière tragique, une question de vie ou de mort. C'est la raison pour laquelle, monsieur le ministre-président, nous avions à l'époque accueilli d'un œil et d'un regard particulièrement favorable l'annonce d'un plan wallon d'investissement venant se greffer au pacte national pour l'investissement stratégique du fédéral. Il est annoncé pour la semaine prochaine une réunion du comité de pilotage de ce pacte national pour l'investissement stratégique qui fera rapport sur l'ensemble des investissements repris et sur les budgets qui y seront alloués dans les prochaines années. Alors ma question, monsieur le ministre-président, est de savoir quels seront les projets wallons repris dans ce pacte national d'investissement. Je pense que vous devez la primeur à notre Parlement, et s'agissant d'une séance de rentrée, c'est particulièrement à propos de nous annoncer peut-être et nous dévoiler les projets qui seront repris et à quelle hauteur de financement, avec quel mécanisme de financement, puisqu'on a beaucoup parlé de partenariats publics-privés notamment, et également de connaître, monsieur le ministre-président, l'état d'avancement du reste du plan, particulièrement de son pendant wallon, le plan wallon d'investissement, et de savoir où en sont les travaux des comités stratégiques et de pilotage. Où en sont la recherche de sources de financement? Peut-on s'attendre à, dans les prochains jours, les prochaines semaines, une présentation des projets d'ores et déjà arrêtés et de l'explicitation des sources de financement qui viendront s'adosser aux projets sélectionnés? Je vous remercie. Parfait, merci. Nous invitons le ministre-président à vous répondre. Et merci, monsieur Dermagne, le temps de parole était strictement respecté. Nous vous écoutons, monsieur le vice-président. Voilà, bonjour, monsieur le président, chers collègues, mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs, excellente rentrée
aux unes et aux autres et excellent travail, notamment en cet enceinte. Merci, Monsieur Dermagne, pour les questions que vous m'adressez, mais aussi pour la constance dans ces questions. Nous sommes effectivement à un moment important, puisque, comme vous le savez, le 11 septembre, dès la semaine prochaine, est convoqué l'ensemble des représentations gouvernementales de ce pays à l'invitation du Premier ministre pour débattre du rapport du comité d'accompagnement, du comité mis en place au niveau fédéral sous la présidence de Monsieur Delbarre, pour entendre l'exposé de ce rapport quant à l'ensemble des éléments d'orientation du plan national d'investissement stratégique. C'est un moment très très fort, en ce sens qu'on y retrouvera effectivement un certain nombre d'analyses transversales, des éléments de proposition concernant des règles, des législations, des accélérations de procédures ou de mécanismes décisionnels, et bien sûr une méthode, une liste et une analyse par rapport aux priorités, par rapport aux projets. Quels sont les projets wallons que nous avons rentrés dans ce contexte? Ces projets sont au nombre de 3 globalement. Il s'agit pour le premier d'entre eux d'un dossier qui concerne l'investissement dans la recherche, dans l'innovation, ainsi que dans l'équipement des bâtiments, des connexions technologiques et optiques entre centres de recherche. Le deuxième volet concerne l'intermodalité, sous le vocable la mobilité au service du développement économique. Et le troisième volet concerne l'énergie, avec les dispositifs Smart Meters, Smart Grids, avec l'ensemble du déploiement technologique et technique que l'on peut rencontrer aussi dans le secteur de l'énergie. Le temps m'est compté, il m'est bien difficile, vous en conviendrez, de détailler l'ensemble des autres projets du plan wallon d'investissement, ceux qui ne relèvent donc pas de ce 1,730 milliard d'euros dédicacés, proposés au fédéral. Mais je veux cependant répondre à la question du financement, puisque notre approche a toujours été de dire, en ce qui concerne ces dossiers-là et partiellement en ce qui concerne les autres, que nous souhaitions qu'une partie de ce financement puisse être soutenue par des investissements de type classique dans nos crédits d'investissement, dont nous sollicitons que au moins une partie d'entre eux puisse être immunisée de la trajectoire SEC et d'autre part, bien sûr, un partenariat, une intervention, une articulation avec le secteur privé. Ce dossier est important. Je conclue par là pour vous dire combien je suis à votre disposition en toute transparence pour pouvoir venir en débat dans quelques temps avec vous, par exemple en commission, pour passer en revue l'ensemble des dossiers ainsi que le travail, je les en remercie d'ailleurs, mené en profondeur et par le comité d'accompagnement et par le comité technique et financier concernant et le fonds et le financement de chacun de ces dossiers. Il y va très clairement de l'avenir de notre région, pour le PNIS, de l'avenir de notre pays. Donc je souhaite qu'on puisse, au-delà des travées, au-delà des positions politiques, avancer c'est aussi largement que possible ensemble dans ce dossier. Désolé d'avoir été long, la question était tellement large, mais surtout tellement passionnante. Nous revenons vers vous, Monsieur Dermagne. Je partage la passion du ministre-président, mais je reste un peu frustré et sur ma faim par rapport aux éléments de réponse qui m'ont été fournis. Je n'avais pas besoin d'un récapitulatif de l'ensemble du dossier. C'est un dossier que je connais particulièrement bien et que je suis avec attention. Et le ministre-président a eu la délicatesse de le souligner. Simplement, venir sur du concret, je pense, à un moment, c'est vraiment important. Je l'ai dit, quand on parle d'investissement, on ne parle pas uniquement de budget et de chiffres. On parle de réalisations concrètes et qui ont de l'importance dans la vie quotidienne des Wallonnes et des Wallons ou des Belges pour le pacte national d'investissement stratégique. Et donc on doit vraiment, je pense, entrer dans une phase de concret. On a eu beaucoup de mots, on a eu beaucoup de discours, on a eu beaucoup de communication. Je pense que les Wallonnes et les Wallons attendent du concret. Et donc je reviendrai bien entendu vers le ministre-président en commission, mais simplement une petite précision et une demande, Monsieur le Président. Je parle sous votre contrôle, c'est que le ministre-président m'avait invité à le questionner sur notamment les rapports, ou en tout cas un succinct, un résumé des rapports des comités d'accompagnement et du comité technique. Et lorsque j'ai formulé officiellement et selon les canaux prévus par notre règlement cette question, elle a été refusée par les services du greffe. Et donc j'aimerais qu'on puisse avoir un gentleman agreement pour qui nous permette d'avoir une réponse aux questions qui me sont suggérées par le ministre-président lui-même, ou alors je lui adresserai directement à son cabinet sans passer par les services du Parlement, dont je peux comprendre que, s'agissant d'un dossier comme celui-là, les procédures applicables sont peut-être un peu dépassées, mais en tout cas
peut-être pas les plus adéquates. Et donc, voilà, simplement qu'on puisse avoir un accord ici pris devant l'ensemble du Parlement et des Wallonnes et des Wallons qui nous regardent pour qu'on puisse avoir les éléments concrets, techniques et le fruit finalement du travail réalisé par ces comités d'accompagnement et comités techniques dont je salue moi aussi le travail, mais dont j'aimerais pouvoir prendre connaissance des différents rapports et de l'état d'avancement de ces différents travaux. Alors, M. Derman, vous avez vu que je vous concédais du temps supplémentaire pour être tout à fait équitable à l'égard du ministre-président. Vous dire ensuite qu'il n'y a eu évidemment aucune censure quant au dépôt de votre question. Je vais évidemment vérifier la motivation du refus de mémoire, mais je veux être extrêmement prudent. Notre règlement invite les parlementaires à regrouper sur une même question les questions qui portent sur le même objet et ne pas les démultiplier. Mais nous allons vérifier ça et vous aurez la réponse dans les prochaines minutes, comme il se doit, mais il n'y avait évidemment aucune volonté de censure sur le sujet. Je ne l'ai pas prise comme cela, Monsieur le Président. Non, mais je vous connais, mais je veux aussi être tout à fait transparent. Vous voyez bien que j'ai signalé qu'à mon estime, peut-être le règlement n'était plus approprié, ou en tout cas pas approprié à des démarches comme celle-là et des échanges entre ministres et parlementaires au sein des commissions et des assemblées, mais n'y voyez aucunement une remise en cause à la fois de votre travail ou du travail des services du greffe, mais simplement pour que les engagements ou les invitations qui sont adressées par le ministre-président parlementaire de l'opposition que je suis puissent trouver des réponses dans le cadre des travaux de notre Parlement. Dans cette période particulière, vous ne m'en voudrez pas, je ne prendrai pas beaucoup de liberté par rapport au règlement parce qu'elle serait probablement appréciée par les uns et dénoncée par les autres. On va donc se tenir au règlement, mais je suis bien sûr ouvert à son évolution. L'ordre du jour appelle la question d'actualité s'il n'y a plus de commentaire sur ce point de M. Mouillard, qui souhaite s'adresser au ministre Collin sur la prolongation de la chasse aux sangliers. Merci, Monsieur le Président, chers collègues, Monsieur le Ministre. J'ai pu prendre connaissance de votre projet d'arrêté allongeant la chasse en battue aux sangliers pour les mois de janvier et de février. En ce faisant, vous essayez de répondre à la surpopulation de l'espèce sanglier. Certains points en Wallonie, ce n'est pas généralisé, mais à certains points en Wallonie, effectivement, où il y a surpopulation de sangliers. Vous justifiez également la démarche par rapport à l'arrivée hypothétique de la peste porcine africaine en Wallonie. Et donc, vous nous dites qu'il faut absolument diminuer les densités. Moi, je n'ai aucun problème avec ça. La seule chose, je vous dirais, Monsieur le ministre, je pense que comme l'année dernière, le texte arrive un peu tard, puisqu'en termes d'organisation des chasses, je pense que tout est quasi plus ou moins en ordre et bouclé maintenant, et il eût fallu, à mon sens, que ce texte arrive un petit peu plus tôt. Là où, par contre, j'ai un réel problème, c'est avec l'article 2 de votre projet d'arrêté. Et l'article 2 prévoit l'interdiction de choisir le type de gibier sanglier que l'on peut tirer, que l'on peut prélever. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de restriction. Cela signifie, si je lis bien, mais vous allez me dire le contraire si ce n'est pas le cas, que, par exemple, une lait gestante, la lait étant la femelle du sanglier, pourrait être tirée. Ou pire encore, qu'une lait suitée, c'est-à-dire une lait suivie de petits marcassins qui sont totalement dépendants de la mère, pourrait également être tirée. Et dans ce cas, forcément, ces marcassins seraient voués à la mort. Alors, il est clair qu'au niveau de l'éthique de la chasse, ça pose un problème, puisque les chasseurs s'imposent une éthique stricte par rapport à cela. Mais il y a tout simplement, à mon sens, une question de bien-être animal. Et là, j'ai quelques difficultés à comprendre votre volonté. Donc, je suis d'accord pour la diminution des densités de sangliers, mais pas à n'importe quel prix. Et il y a le bien-être animal qui doit être respecté. Mais j'aimerais vous entendre par rapport à cela. Je vous remercie. Fort bien. Alors, nous écoutons le ministre responsable de la chasse. Il va vous donner toutes les informations, du moins je l'espère. Je crois que tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a trop de sangliers, avec des difficultés sur certains territoires au niveau des dégâts à des propriétés privées, des dégâts évidemment aussi au secteur agricole, des risques aussi pour la sécurité routière, des risques sanitaires également. Et donc, il m'importait de prévoir une série de dispositions pour que les chasseurs assument leurs responsabilités par rapport à cet état de fait
et que avec cette réglementation, il puisse y avoir un rééquilibrage au niveau des populations. L'année dernière, c'est au mois de décembre, en fonction de l'évolution de la situation, que j'avais décidé et proposé au gouvernement cette mesure. Ici, je m'y suis pris bien plus tôt, puisque, vous l'avez lu, c'est au mois d'août que je l'ai annoncé. Et le projet d'arrêté se trouve pour l'instant à l'examen du pôle ruralité au niveau du Conseil économique et social. Et donc je viendrai prochainement au gouvernement, ce qui laisse, quoi qu'on puisse en dire, la possibilité évidemment aux chasseurs de beaucoup mieux s'organiser par rapport à l'année dernière. Je voulais juste aussi rappeler que malgré le caractère tardif de la disposition qui avait été prise l'année dernière, et bien que certains territoires n'aient absolument pas joué le jeu, on a en janvier et février réduit la population de 1300 unités supplémentaires. Ce qui est souhaité dans le deuxième volet, c'est qu'il n'y ait plus de restrictions systématiques avec des pénalités par rapport à certains tirs, notamment des femelles reproductrices. Bien entendu, il faut respecter le bien-être animal et respecter l'éthique, mais ce qui motivait souvent certains chasseurs en interdisant certains tirs et en assortissant même de pénalités ces tirs, c'était de se garder, entre guillemets, un cheptel suffisant pour les saisons futures. Alors, je pense que la chasse, c'est d'abord une gestion équilibrée de la faune, c'est aussi le respect de la biodiversité, et donc il faut qu'il y ait des mesures qui soient prises et que l'ensemble du milieu de la chasse assume ses responsabilités, ce que j'espère. Merci, Monsieur le Ministre. Nous nous tournons vers vous, Monsieur Mouillard. Merci, Monsieur le Ministre, pour cette réponse. Je voudrais simplement apporter quelques précisions. Il y a une surpopulation de sangliers à certains endroits en Wallonie, mais ce n'est pas généralisé. Ces dernières années, le monde de la chasse, je pense, prend ses responsabilités, puisque ces quatre dernières années, les prélèvements ont augmenté de 25%. Quand je vous dis que le texte, malheureusement, arrivera, à mon sens, un peu tard, ben, c'est parce que quand il aura passé l'étape pôle ruralité, Conseil d'État, ben, on sera au mois de novembre, donc en pleine période de chasse. Et si c'est me dire qu'il ne peut pas y avoir de restrictions systématiques, il va falloir écrire l'article 2 autrement, parce qu'à l'heure actuelle, l'article 2, il ne dit absolument pas ça et laisse la possibilité, malheureusement, comme je vous l'ai dit, de prélever des animaux en dehors de toute règle élémentaire du bien-être animal et d'éthique. Je vous remercie. N'y a-t-il plus d'autres réactions ? Non, fort bien. Nous passons alors à la question d'actualité de M. Godefriot au ministre Jeollet sur la future sucrerie de Felloui. Nous vous écoutons, monsieur le député. Merci, monsieur le président. Je ne résiste pas tout d'abord de vous remercier pour vos bons voeux pour les élections communales qui nous animent, vous et moi. Alors, en ce qui concerne la question, monsieur le ministre président, mesdames et messieurs les ministres, chers collègues, la fin des quotas au niveau du sucre qui vient de tomber il y a quelques mois, peut provoquer deux options. Un, les producteurs laissent tomber les bras et soit arrêtent la production, soit continuent de produire et acceptent le prix mondial qui leur est offert. C'est la première solution que je ne défends pas. La deuxième option étant, on se retrousse les manches, tous ensemble, pour trouver d'autres options, d'autres projets de valorisation. C'est ce que 1800 planteurs belges ont décidé de faire, essentiellement wallon, avec un budget d'environ 300 millions d'euros, si les chiffres sont exacts dans la presse, et je crois qu'à peu de choses près, ils sont exacts, pour développer, sous forme de coopérative, une nouvelle entreprise qui permet de mutualiser les coûts tous ensemble pour trouver de nouveaux marchés et pour garder, même si elle sera sans doute moins bonne qu'aujourd'hui, une rentabilité pour la production de betteraves sucrières. Alors la bonne nouvelle, c'est, j'imagine le début, c'est que vous venez d'octroyer une enveloppe de 7 600 000 euros pour soutenir cet engagement d'entrepreneurs privés, je rappelle, 1800 coopérateurs. Et donc mes questions par rapport à ça, elles sont de trois ordres. Selon vous, quels sont les activités et donc le nombre d'emplois directs mais aussi indirects
qui pourront être créés avec cette nouvelle dynamique. Est-ce que d'autres types de soutien, je pense à votre collègue au gouvernement, peuvent être apportés à ce projet? Et enfin, quel, au niveau planification calendrier, selon vos informations, où en est-on et quand va-t-on commencer à mettre la première pierre de cette entreprise? Je vous remercie. Et nous nous tournons vers le ministre de l'Économie. Nous vous écoutons, monsieur le ministre. Merci, monsieur le président, monsieur le député. Outre les bons voeux, vous connaissez mon sens de la concertation et du dialogue. Donc, si je peux intervenir et apporter quoi que ce soit dans le débat local, n'hésitez pas à m'en faire part et je ferai le maximum. Vous savez, monsieur le ministre, on peut être concurrent et faire preuve de fair play. Ah, mais tout à fait, mais je... Et je sais que c'est votre... Mais, non. Non, je le dis parce que je sais que monsieur le ministre est dans la même situation par ailleurs dans sa commune. Ah oui, oui, c'est vrai, j'ai quelques bons candidats, mais candidats. Bien, monsieur le député, c'est un dossier évidemment extrêmement important puisque... dossier d'une coopérative avec 1800 planteurs qui adhèrent à ce projet. Un projet qui fait suite évidemment aussi aux difficultés du marché, au juste prix pour les planteurs, avec aussi l'abandon des quotas sucriers au niveau européen depuis octobre 2017. Donc ce projet a fait, lui, est d'une importance essentielle pour l'économie, pour l'agriculture en Wallonie, parce que ça aura un impact. Ça, vous me posez la question sur l'emploi directement, mais c'est 80 emplois directs à terme que ce projet peut procurer, mais aussi des centaines d'emplois indirects sur la filière sucrière, sur la filière agroalimentaire, puisque c'est un dossier important. On est au cœur, je vais dire, de la production, qui peut avoir évidemment un impact important sur le secteur agroalimentaire européen, mais aussi sur les exportations, avec la proximité, notamment avec le port d'Anvers. Alors, au niveau gouvernement, on a voulu marquer le coup et accorder cette première subvention à l'investissement pour un montant de 7 600 000 euros, dans un investissement global de 330 millions d'euros, ce qui est un investissement important, et avec aussi la participation qui est sollicitée aujourd'hui, et le timing dépendra aussi un peu de la Banque européenne d'investissement qui est sollicitée. Et à côté de ça, il pourra y avoir d'autres supports, d'autres aides au niveau de la région wallonne. Et à côté de la Banque européenne d'investissement, d'avoir les partenaires financiers, publics et privés, pour voir comment on peut encore davantage soutenir ce projet. Voilà, monsieur le député, à ce stade, ce que je peux vous dire. Mais en tout cas, dès la rentrée, le gouvernement wallon a souhaité apporter un soutien franc, massif et déterminé par rapport à ce projet ambitieux. Je le rappelle, c'est 1800 planteurs, c'est une coopérative qui fédère dans ce marché sucrier qui a toute sa place en Wallonie. Merci. Nous nous tournons vers vous, monsieur le député. Merci, monsieur le ministre, pour vos réponses. Comme vous, je suis enthousiaste à l'idée de développer de nouvelles valorisations pour une partie de nos agriculteurs. Les défis sont nombreux, hein, puisque, vous l'avez dit, des étapes ont été franchies, il y en a encore d'autres. Et au fur et à mesure de l'évolution, notamment de la gestion culturelle de la betterave, il y a effectivement aussi un autre défi qui pointe le bout du nez, si on peut dire ça comme ça, puisque la diminution et ou l'arrêt de certains produits de protection des plantes est aussi un autre défi majeur pour ce type de production locale et donc pour la valorisation ancienne de cette coopérative. Par contre, vous l'avez dit, nous avons des atouts, les producteurs ont des atouts agronomiques en termes de capacité de production sur nos terrains adaptés ici à ce type de production. Atout aussi au niveau géographique, puisque en lien très étroit au niveau géographique, donc avec les entreprises et donc les clients potentiels. À suivre donc. Bien, s'il n'y a plus d'autres échanges, nous passons alors à la question d'actualité de M. Josy Arens, qui s'adresse au ministre Collin sur le soutien aux agriculteurs wallons suite à la sécheresse
de cette année. N'a pas décidé, manifestement. Monsieur le député, nous vous donnons la parole. Merci, Monsieur le Président. Certains collègues ont, en début de séance, déjà parlé de l'été exceptionnellement chaud et sec que nous avons connu. Alors, Monsieur le Ministre, je sais que très rapidement, vous avez demandé à l'Institut Royal Météorologique de vous faire part de ces propositions. 166 communes, pour 166 communes, l'Institut Royal Météorologique a reconnu le caractère exceptionnel de cette sécheresse, mais hélas, pour 96 autres communes, cela n'a pas été reconnu. Or, dans ces 96 autres communes, la plupart des agriculteurs ont vécu les mêmes problèmes que ceux qui se trouvent dans les communes concernées par le caractère exceptionnel de la sécheresse. Alors, Monsieur le Ministre, je souhaiterais savoir, premièrement, avez-vous redemandé un nouvel avis à l'IRM ou comptez-vous le faire? Si oui, avez-vous déjà les premiers résultats? Deuxièmement, comme vous avez prévu aussi une enveloppe de 12,5 millions pour l'indemnité, pour l'indemnisation des agriculteurs victimes de la sécheresse, vous devez savoir que dans les communes non reconnues, les commissions des dégâts agricoles se sont réunies et ont fait déjà les constats, constats qui ne sont pas tellement différents des constats qu'on connaît dans les communes reconnues par l'IRM. Alors je voudrais également savoir si d'autres mesures sont prévues et si tous les agriculteurs wallons, c'est-à-dire ceux qui se trouvent dans les zones reconnues comme caractère exceptionnel et ceux qui se trouvent en dehors de ces zones, auront droit à toutes ces aides-là. Je compte vraiment sur votre action, Monsieur le Ministre, car je ne pourrais en aucun cas accepter que des agriculteurs réellement victimes de la sécheresse, parce qu'un critère ne correspond pas, soient mis de côté au niveau wallon. Je vous remercie pour votre réponse. Fort bien, Monsieur le Ministre de l'Agriculture. Nous vous écoutons. Merci pour cette question qui me permet de faire le point sur une problématique importante et qui effectivement a interpellé l'ensemble du monde agricole. Ce qui a été dit en début de séance et ce qui vient d'être rappelé par vous est évidemment tout à fait la réalité. J'ai eu l'occasion pendant les mois de juillet et août d'être à plusieurs reprises et dans divers endroits sur le terrain. J'ai assisté aussi à l'ensemble des réunions du centre de crise. Et effectivement, quelles que soient les conclusions de l'IRM, c'est l'ensemble de l'agriculture wallonne qui a souffert. C'est l'ensemble du secteur de l'élevage, assurément. C'est aussi, évidemment, le secteur notamment des grandes cultures, des pommes de terre en particulier. Et au niveau du secteur betteravier, nous attendrons les récoltes avant de nous fixer. L'IRM a été interrogé par mes soins, tout comme la Flandre avait fait la démarche. Et l'IRM, à la fin juillet, avait dit qu'entre la période 1er mai et fin juillet, il y avait ces 166 communes. Ce qui prévaut, et c'est le seul critère, et il est d'ailleurs dans le décret que nous avons voté ici, que vous avez voté, c'est le retour statistique. Ce retour statistique doit être au moins égal à 20 ans. Et c'est à ce critère qu'ont satisfait, fin juillet, 166 communes. J'ai réinterrogé l'IRM, parce que justement, je considère qu'il y a un territoire plus vaste que ces 166 communes qui a souffert et souffre encore de cette sécheresse et de la canicule. Et donc, je n'ai pas encore la réponse de l'IRM. La démarche a été faite. C'est l'administration qui va recevoir dans les prochains jours la réponse de l'IRM. Et évidemment, je vous en ferai part immédiatement. Il faut bien sûr que dans chaque commune, qu'elle soit ou non dans cette liste, il y ait la réunion des commissions de constat de dégâts et qu'il y ait la production de ces constats. L'IRM, c'est une des quatre conditions du décret. Il y a aussi les conditions au niveau de l'impact économique. Alors, je n'ai pas le temps, évidemment, de décrire d'autres mesures qui ont été prises, mais l'Europe a accepté la demande, comme d'ailleurs dans 16 autres pays, d'avance plus importante que l'on va pouvoir payer aux agriculteurs au niveau des aides PAC. J'ai également pris des mesures, celles qui n'avaient pas besoin d'autorisation de l'Europe au niveau de certaines réglementations. Et l'Europe va aussi confirmer une certaine souplesse en matière de verdissement. Quant au reste, nous en parlerons certainement en commission, au niveau du travail de la recherche et au niveau aussi du travail par rapport au changement climatique. Mais c'est un débat beaucoup plus approfondi que ce que les 2 minutes et 30 secondes que le président a voulu me concéder me permet de faire. Bien, Monsieur le député Arens.
remercie le ministre pour sa réponse, bien évidemment, mais j'insiste sur le fait que les agriculteurs en dehors de la zone définie aujourd'hui par l'IRM sont également victimes de la sécheresse. Et je mettrai tout en œuvre pour suivre de plus près ce dossier-là, car on ne peut pas laisser tomber des gens qui, parce qu'un critère ne correspond pas, alors qu'ils ont été victimes, comme les autres, de cette problématique. Je vous remercie. Appel à la question d'actualité de M. Stoffels au ministre Di Antonio sur les sites wallons pouvant accueillir des déchets nucléaires. Nous vous écoutons, Monsieur le député. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Président, Mesdames les Ministres et Messieurs les Ministres, chers collègues, quand je vais vous parler de déchets nucléaires, je vais effectivement vous parler de pas n'importe quel genre de déchets, parce que ça peut être une matière qui nous interpelle ou qui nous interpellera pendant des dizaines d'années, voire pendant des centaines d'années. Je sais que la gestion des déchets nucléaires est de compétence fédérale, mais il faut quand même savoir que tôt ou tard, la région wallonne est directement confrontée, au plus tard, à partir du moment où il s'agira de statuer sur une demande de permis d'urbanisme ou de statuer sur une demande de permis d'environnement. Il est apparu récemment dans Le Soir un article suivant lequel le gouvernement fédéral serait en train de se pencher sur un avant-projet de loi donnant accord par rapport à un accord qui a été pris entre le Grand-Duché et la Belgique, suivant lequel les déchets, même s'ils sont de faible quantité, les déchets d'origine luxembourgeoise, pourraient être gérés et stockés en Belgique. Quand on croit l'ONDRAF, bon, on ne sait pas très bien à quel sens se vouer. Tantôt, on entend des échéances dans le temps d'ici 2025-2030 pour trouver des solutions. À d'autres moments, on entend d'autres horizons de temps, à savoir 2080, voire même au-delà. Il me semble quand même que, vu l'accord belgo-luxembourgeois, il y a une question à soulever, à savoir est-ce que l'Union européenne ne va pas nous imposer de trouver une solution un peu plus rapidement et d'identifier beaucoup plus rapidement un site dans lequel les déchets radioactifs de catégorie B et C vont être stockés dans le sous-sol. D'où la question, Monsieur le ministre, lorsque je vous ai interrogé la dernière fois, vous dites que vous n'avez pas eu de contact ni avec le gouvernement fédéral ni avec l'ONDRAF. Est-ce que ça a changé depuis lors? Quelle est l'attitude du gouvernement wallon actuel par rapport au stockage de déchets radioactifs en sous-sol? Et troisièmement, que dit votre avant-projet de décret en matière de gestion du sous-sol en cette matière? Merci, Monsieur le député, Monsieur le ministre. Nous vous écoutons, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, pas de contact avec l'ONDRAF. Bon, on peut le comprendre, puisque la compétence est 100% fédérale, à la fois sur la gestion du nucléaire en général, vous le savez, mais y compris pour les installations de forage. Nous ne devrions intervenir que pour un permis d'urbanisme, pour des installations secondaires, s'il faut un bâtiment, etc. Mais ça, c'est assez classique. Le dernier rapport de l'ONDRAF 2013-2017 évoque également une échéance 2035. Donc on peut comprendre que depuis les événements relayés dans les médias il y a quelques jours, il n'y ait pas eu un contact en urgence de l'ONDRAF vis-à-vis de la région. Donc je ne sais que vous répéter que la totalité de la gestion de ce dossier est fédérale et qu'il n'y a pas eu aujourd'hui de demande vis-à-vis de la région pour identifier un site. Je pense que la recherche se ferait tout simplement par les services de l'ONDRAF, comme elle se fait à chaque fois qu'il s'agit d'aborder ce sujet. Réaction, Monsieur le député. J'apprends la réponse du ministre, mais suivant les dernières déclarations de l'ONDRAF, on s'orientait vers un horizon temporel de l'ordre de 2080. Mais quoi qu'il en soit, il s'agit pour moi d'une question délicate qui passe de loin à la délivrance du simple permis d'urbanisme, mais qui peut avoir un impact sur notre région pour des centaines d'années. De ce fait, je n'imagine pas que le gouvernement régional n'anticipe pas la question, même si dans le cadre de la répartition des compétences, on est plutôt dans le domaine des compétences du fédéral, mais la région doit directement être intéressée. Il s'agit donc d'un véritable choix à
faire dans le cadre d'un fédéralisme de coopération, d'où, à mes yeux, en tout cas, la nécessité que les autorités fédérales et régionales se parlent sur une question tellement délicate. Voilà, s'il n'y a plus d'échange sur le sujet, nous pouvons alors passer à la question d'actualité de Mme Zrien au ministre-président Willy Borsu sur la lettre de la commissaire Malmström au gouvernement péruvien. Nous vous écoutons, Madame la députée. Merci, Monsieur le Président, chers collègues, Monsieur le Ministre Président. Donc, c'est en juillet que nous avons ratifié ici notre accord Union européenne, Colombie, Pérou, Équateur, malgré la plainte déposée contre le Pérou par pas moins de 41 ONG. Nous avions, d'après vous, un certain nombre de garanties quant à la bonne poursuite de ce texte. En avril, M. Renders, lui, était tout à fait déjà heureux que l'ONG puisse déposer cette plainte et trouver que c'était aussi une garantie. Il se fait qu'en juillet de cette année, la commissaire Malmström, de manière très musclée, a mis en garde le Pérou sur le fait qu'un certain nombre de conditions n'étaient toujours pas d'application malgré les engagements qui étaient pris. Et donc, elle les met en demeure de poursuivre l'ensemble de cette remise en question en s'appuyant sur la plainte pour des faits qu'elle trouve injustifiables et tout à fait inédits. Et donc, le délai qui est donné, c'est fin novembre, puisqu'à ce moment-là, serait une commission tout à fait particulière qui permettra de faire l'état des lieux. Monsieur le ministre président, est-ce que d'une part vous avez été informé de cette lettre de la commissaire Malmström, et j'espère que les autres parlements l'ont été également, ne fût-ce que pour un souci de transparence, et deuxièmement, est-ce que vous pourriez de manière très pratique demander au fédéral quelles sont les intentions d'interpellation par rapport au suivi de ces procédures? Comme vous le savez, si cela n'était pas le cas, il y aurait des conséquences qui seraient extrêmement importantes. Merci de vos réponses. Merci, madame. Voilà, merci, madame la députée, pour votre question. Quelques observations à cet égard. Donc, tout d'abord, ce qui est en train de se produire est finalement la confirmation d'une information qui nous avait été transmise au moment de l'examen de la ratification de ce traité commercial par votre Assemblée. Nous nous étions en effet inquiétés à votre demande, et légitimement, du fait de voir si la poursuite de la procédure, de l'examen de la plainte déposée par les ONG ne risquait pas d'être impactée par notre décision, par votre décision de ratification du traité commercial. Nous avions obtenu toutes nos garanties, toutes nos assurances à cet égard, et on le voit dans les faits, c'est effectivement ce qui se produit. Deuxième constat, en fait, la procédure diligentée, elle est diligentée justement en application du chapitre développement durable de ce traité, même dans sa version provisoire, puisque ce dispositif juridique, ce traité ouvre, permet cette possibilité de plainte de la part des ONG. Trois, en ce qui concerne le contenu de la lettre, il m'est indiqué que cette lettre serait rendue publique dans les prochains jours. Je n'ai pas connaissance donc de façon précise de son contenu, mais bien de ses orientations qui effectivement vont dans le sens que vous indiquez, avec des reproches fermement exprimés par la commissaire européenne en ce qui concerne notamment le non-respect de certaines des prescriptions de l'OIT, ainsi que de dispositions concernant l'inclusion de la société civile dans les processus décisionnels. Vous savez qu'en fonction des réponses qui seront fournies, on est dans la phase précontentieuse par le Pérou, il y a alors une gradation de réaction qui est possible en application des articles 283, 284 et suivants du traité qui peuvent, après l'examen par des experts, déboucher sur un certain nombre de sanctions, mises en demeure, etc. Le processus est donc en route. Je me réjouis effectivement que ce processus permette de faire bouger les lignes au Pérou, de mettre une pression maximum. Nous travaillons, je pense, en parfaite intelligence également avec les ONG dans ce dossier. Et puis, rendez-vous dans quelques semaines de manière à mesurer alors les avancées concrètes et les éventuelles réactions, si ça ne devait pas être le cas, que les instances européennes auront diligentées. Je suis tout à fait disponible, évidemment, pour questionner le fédéral sur ce dossier, si nous l'estimons nécessaire. Si vous l'estimez nécessaire collectivement. Merci. Merci, Monsieur le Président. Madame Zrien.
Merci, Monsieur le Ministre Président. Bien sûr que nous estimons nécessaire de pouvoir avoir non seulement la lettre, mais également vérifier quel sera le suivi de la réunion du mois de novembre. Connaissez toutefois que si vous nous aviez suivis dans la procédure qui consistait à faire que le titre 9 de l'accord permette d'obtenir les mêmes sanctions que celles prévues pour les normes commerciales, c'était la demande de notre résolution, nous aurions un instrument encore plus intéressant, puisqu'aujourd'hui, l'instrument final ne pourrait être qu'une amende. Donc, soyez sûrs que nous continuons à suivre ce dossier de manière très particulière, et peut-être que cela nous permettrait d'avoir une leçon pour la suite des traités. Effectivement, l'exécution nécessite des sanctions qui demandent d'être mises exactement au même niveau pour le commerce en ce qui concerne les normes sociales et environnementales. Merci. Il n'y a plus d'autres échanges. Monsieur le Ministre-Président, je vous en prie. Juste deux mots pour indiquer que la sanction peut être plus grave, évidemment. La sanction peut aller jusqu'à des mécanismes de suspension et des mécanismes plus robustes encore. Et deux, quant au fait de modifier le texte, je rappelle que le Parlement de Wallonie se réserve évidemment d'avoir réussi à convaincre l'ensemble des autres interlocuteurs européens et de l'autre côté du continent, sous réserve d'avoir réussi à convaincre, nous n'avions pas la capacité d'inclure nous seuls un dispositif d'une autre nature. Bien au contraire, nous avons mis l'accent, me semble-t-il, de façon prioritaire, vraiment s'inscrivant ainsi dans le cadre de la résolution du Parlement sur un certain nombre de préoccupations, d'objectifs, dont je vois aujourd'hui qu'ils sont à l'agenda, qu'ils sont rencontrés. Bien sûr, attendons le mois de novembre, bien sûr, attendons le résultat, mais je pense qu'on s'inscrit parfaitement dans le cadre de l'approche globale du Parlement. Vers vous-même, la députée. Oui, l'approche globale du Parlement consiste quand même à faire un suivi extrêmement précis des conséquences parfois de non-prise de décision. Et en ce qui concerne la suite, l'argumentaire qui consiste à chaque fois à dire « ce sont des vieux traités, on ne peut rien inscrire de nouveau dedans », je crois qu'à partir du moment où même la commissaire, de manière très musclée, entre dans un tel dispositif, nous pouvons être largement entendus par l'Europe. Les uns et les autres ont pu parfaitement s'exprimer, ce qui nous amène naturellement vers M. Évrard, qui souhaite interroger le ministre Jollet sur la programmation Horizon 2020 pour les PME. Vous avez la parole, monsieur le député. Merci, monsieur le président. Chers collègues, monsieur le ministre, effectivement, il y a quelques semaines, vous aviez annoncé en commission votre volonté de mettre en place un dispositif dans le cadre des aides Horizon 2020 qui vise notamment à faire la promotion de la recherche et de l'innovation. C'est aujourd'hui, depuis quelques jours, chose faite, puisqu'à travers un arrêté du gouvernement wallon, vous avez pris cette décision. C'est évidemment une très bonne initiative, une très bonne idée, quand on sait que depuis 2014, seuls 150 millions ont été captés au niveau wallon, alors que la Belgique a dans le même temps pu bénéficier d'une manne de près d'1,5 milliard. Et donc, Monsieur le ministre, je voulais savoir de quelle manière ce dispositif allait se mettre en place à l'endroit des entreprises. On sait qu'elles peuvent bénéficier d'une aide allant de 3 500 jusqu'à 10 000 euros. Est-ce que ces aides sont éventuellement cumulables avec d'autres dispositifs? De manière plus large, on sait que c'est la DGO6 qui va jouer un rôle important. Est-ce que la DGO6 va être le réceptacle de toutes les demandes, ou est-ce que les entreprises devront les adresser éventuellement directement à l'Europe? Est-ce qu'elles vont devoir faire appel à des sociétés de consultance? Auquel cas, évidemment, une partie des frais de consultance vont grignoter les aides qui leur seront disponibles. Et finalement, de manière plus large, Monsieur le Ministre, de quelle manière est-ce que vous allez faire en sorte que les chefs d'entreprise connaissent finalement le dispositif, sachent la manière dont ils peuvent y avoir accès, et finalement, dans quel type de projet et dans quel cadre ils vont pouvoir justement s'investir de manière à grandir et à rejoindre en tout cas les plus grandes entreprises où la concurrence est rude sur le plan européen. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Monsieur le ministre. Nous vous écoutons.
Merci, Monsieur le Président. Monsieur Évrard, donc c'est vrai que nous avions déjà eu le débat en commission et que ce dispositif Horizon 2020 et cette modification a tout son sens, puisque vous l'avez dit très justement, la Wallonie a trop peu capté d'aide européenne en matière de recherche et innovation, et particulièrement les PME, les petites structures, parce que le système était complexe, il y avait des contraintes, on devait avoir support, il y avait des recours, je veux dire, à des dispositifs compliqués, et que on avait, ça ne simplifiait évidemment pas la vie des petites entreprises par rapport à la complexité du système. Donc c'est vraiment une simplification. Simplification au fait qu'il y aura un portail au niveau de la DGE6, et que la demande devra se faire en ligne avec un formulaire qui sera dématérialisé. C'est la première avancée. La deuxième avancée, c'est des subventions forfaitaires. 3 500 € pour une entreprise partenaire d'un projet, puisque ce sont des subventionnements par projet qui vont évidemment en direct aux entreprises, et 10 000 € pour une PME qui serait coordinatrice d'un projet avec un minimum de 3 partenaires. Donc c'est un dispositif fortement simplifié pour capter davantage de subventions européennes en matière de recherche et d'innovation pour notre économie, pour nos entreprises, mais surtout pour nos plus petites structures, et notamment les PME, sans passer par des intermédiaires, des consultants, des appuis techniques ou des appuis humains pour pouvoir bénéficier de cette aide. Par rapport à la vulgarisation, à la sensibilisation au niveau des entreprises, j'ai demandé à la DGE6 pour qu'on puisse évidemment sensibiliser un maximum nos entreprises, mais ça passera aussi, je l'ai demandé, par les pôles de compétitivité, par l'union des classes moyennes, pour qu'on puisse parler un maximum de ce dispositif, mais d'un dispositif simplifié aujourd'hui pour les PME. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le député. Oui, merci, Monsieur le ministre, pour votre réponse. Vous savez, comme moi, évidemment, que le succès de la mesure dépend finalement de la manière dont elle va être perçue par le monde patronal et par les entreprises, les PME. Effectivement, vous nous dites que la communication va s'organiser à travers les pôles de compétitivité, mais je crois que ce qui fait l'originalité, en tout cas de la démarche, c'est de sensibiliser les TPE et les PME sur cette possibilité dans les pôles de compétitivité, au risque de me tromper. Bah, ce sont généralement des plus grands donneurs d'ordre, et donc je crois qu'il faudra effectivement faire de gros efforts. Je pense notamment aux chambres de commerce qui peuvent effectivement être également un bon relais pour vulgariser l'ensemble de ce dispositif. Je vous remercie. Merci. S'il n'y a plus d'autres échanges, nous passons à la question d'actualité de Mme Galland au ministre Di Antonio sur la pénurie d'ouvriers pour les routes wallonnes. Nous vous écoutons, Madame. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, le plan infrastructure de la région wallonne est une très bonne chose pour notamment la rénovation des voiries à travers toute la Wallonie. Mais la Fédération wallonne des entreprises de voiries tire la sonnette d'alarme parce qu'il y a apparemment une pénurie de main-d'œuvre. Ça avait été également souligné, je pense, par le ministre président. Et donc, vous allez dire que vous n'êtes pas compétent pour le personnel. Mais à terme, s'il y a une pénurie de main-d'œuvre, il risque d'avoir des paralysies sur les chantiers. Ils vont durer beaucoup plus longtemps. Ça aura également des répercussions dans les communes, parce qu'il y a des entreprises qui acceptent énormément de chantiers. Et puis, ils mettent la priorité, ce qui est normal, sur les autoroutes, notamment les autoroutes wallonnes. Et puis, il y a des retards sur les chantiers communaux. Et donc, Monsieur le ministre, je voulais vous demander quelle solution vous aviez par rapport à ce problème. Et s'il y avait des concertations, j'imagine que oui, avec votre collègue de l'emploi pour essayer de remédier et de trouver de la main-d'œuvre le plus rapidement possible. Je vous remercie. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Alors, Madame la députée, effectivement, le secteur travaille à flux tendu, énormément de chantiers. Et même si ces chantiers ne prennent pas de retard à cause d'un manque de main-d'œuvre, par contre, c'est vrai que certaines accélérations seraient ponctuellement possibles, un travail de nuit ou de week-end plus important s'il y avait un peu plus de latitude en matière de main-d'œuvre. Alors, en avril dernier, nous avons mis en place dans mon cabinet un groupe de travail avec les entreprises concernées. Nous avons rapidement d'ailleurs élargi ce groupe
aux représentants du cabinet de Pierre-Yves Géolet, ainsi qu'au Forum. La prochaine réunion se tient ce lundi, 10 septembre. Je pense que maintenant, il y a une vraie vision des entreprises, du secteur, sur ce qui va se passer en termes de budget disponible sur les années à venir, à travers la continuité du plan infrastructure, alimenté dorénavant par le prélèvement kilométrique. Il y a une certitude d'avoir des budgets. Si on y ajoute le plan wallon d'investissement, les perspectives sont tout autres, évidemment, pour l'ensemble des secteurs qui vont pouvoir, dans ce cas-là, non pas partir chantier par chantier sur des engagements de personnel, mais sur des plans à plus long terme. Donc, je porte beaucoup d'espoir sur cette réunion de lundi prochain qui doit pouvoir faire le point sur la situation et sur la nécessité d'engager de manière durable dans ces entreprises pour pouvoir poursuivre le rythme des travaux et des travaux à venir pour les 4 à 5 années devant nous. Madame Gallon, une réaction ? Je remercie le ministre et je salue la concertation entre d'une part le ministre de l'Emploi et la Fédération wallonne des entrepreneurs. Et j'espère vraiment que l'engagement de main-d'œuvre se fera rapidement. Généralement, la main-d'œuvre ne doit pas être très qualifiée vu que la formation se fait sur le terrain. Parce que s'il y a vraiment un retard dans tous les chantiers, vous allez voir les critiques qui vont fuser vers le gouvernement, alors que tous ces investissements sont vraiment nécessaires, notamment pour les voiries. Mais vous savez, tous les problèmes de mobilité. Et aujourd'hui, rien que pour venir à Namur, en temps normal, nous venons de la même région, nous mettons trois quarts d'heure, une heure. Ici, nous sommes quasi au double avec tous les chantiers. Et donc, il ne faudrait pas que ça s'accentue encore. Je vous remercie. Merci. S'il n'y a plus d'autres réactions, nous passons à la question d'actualité de M. Luperto, à la ministre Gréoli, sur la position du gouvernement concernant le recours en annulation de la loi sur les pensions mixtes auprès de la Cour constitutionnelle initiée par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre, on le sait, le dossier de réforme du système de pension est un dossier important. Une des mesures de la réforme en cours est notamment l'instauration d'un système mixte de pension dont on sait qu'il aura pour les fonctionnaires de la fonction publique régionale en particulier, mais pas que, un impact de plusieurs centaines d'euros par mois sur leur portefeuille en ligne directe. C'est un dossier dont on a déjà régulièrement parlé en commission et j'ai à cet égard déjà déposé un certain nombre de motions motivées. Je crois d'ailleurs que ma collègue Thieu a un texte qui sera voté aujourd'hui au cours de cette séance. Il faut bien reconnaître que la réforme du ministre MR du gouvernement fédéral porte réellement atteinte au premier pilier de pension par l'implémentation d'un second pilier de pension. Vous avez déjà eu l'occasion, en réponse à mes questions, de vous positionner sur cette question en réaffirmant votre vision favorable au renforcement du premier pilier, ce qui dans un premier temps m'a rassuré. Je le suis moins aujourd'hui, mais j'y viendrai. On peut noter aussi que le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a considéré qu'il y avait, par rapport à ce texte, un certain nombre d'éléments qui étaient problématiques, notamment au regard de la répartition des compétences telles que prévues par la Constitution, mais aussi que ce texte, par certains de ces éléments, portait atteinte aux droits fondamentaux des fonctionnaires. Alors, ma question sera assez simple, Madame la Ministre. Partagez-vous le constat ? On le sait, des fonctionnaires qui demain seraient nommés ne seraient plus traités de façon égale par rapport à un certain nombre de leurs collègues, donc inégalité de traitement. Et on sait aussi que les dispositions du texte prévoient de renvoyer aux entités fédérées le fait d'assumer la charge de pension qui incombe en théorie complètement au fédéral. Donc, quid de votre position par rapport à ce constat ? Et vous voulez progressiste, et je suis enclin à vouloir vous croire, mais c'est le moment sur ce dossier de le prouver en convainquant votre partenaire libéral ici en région de l'intérêt de suivre ce recours déposé devant la Cour constitutionnelle par le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Je serai heureux de vous entendre sur cette question. Merci. Eh bien, c'est ce que nous allons faire tout de suite, puisque je l'invite la ministre à venir vous répondre, monsieur le député. Alors, je répondrai sur trois aspects. Et je vous remercie, monsieur le président. Monsieur le député, le premier aspect, c'est que oui, la citoyenne que je suis est convaincue que le meilleur moyen d'assurer la solidarité de tous les Belges est de conforter le premier pilier de pension. Ça, c'est une première chose. Deuxième aspect,
la loi qui a été prise par le gouvernement fédéral le 30 mars 2018 et qui entraîne à la discrétion des entités fédérées et des communes de pouvoir prendre ou non des décisions en matière de soutien à un second pilier de pension, entre autres pour les contractuels. Alors dans ce cadre-là, la communauté française a déposé un recours puisqu'elle estimait qu'il y avait un conflit entre les compétences des uns et des autres. En ce qui concerne la région wallonne, premièrement, les fins et le résultat de ce recours nous sera imposé, puisque à partir du moment où il y aura un recours, quel que soit le jugement, il s'imposera à l'entièreté des entités. Donc, déposer un recours supplémentaire n'apporterait pas grand-chose, mais nous avons été très proactifs, puisque à ce niveau-là, le gouvernement de juillet, un gouvernement en juillet, a pris la décision de mettre en place un second pilier de pension pour les contractuels, ce qui permettra, quelle que soit la décision, d'avoir anticipé et de pouvoir lutter justement contre les différences de traitement entre les pensions des contractuels et donc garantir une égalité de traitement pour l'ensemble de la fonction publique. Je vous remercie. Vers vous, monsieur le député. J'entends donc la réponse de la ministre qui considère qu'il n'est pas nécessaire, dès lors qu'une entité s'est positionnée, que la région en fasse de même et aille également en recours. Je pense que ça aurait le mérite de la clarté. Ça positionnerait simplement la Wallonie, qui rappellerait au fédéral que dans l'arrêté des compétences n'incombent pas à la région et donc des coûts liés à l'exercice de ces compétences ne lui incombent pas non plus. Donc je pense qu'il revient à votre gouvernement de défendre l'intérêt wallon et forcément l'intérêt des fonctionnaires wallons par définition en ne permettant pas un recul historique sur leur statut et sur la façon dont ils sont traités. Je pense en effet que ça permettrait une sorte de cohérence dans le propos, puisque par définition, vous êtes membre du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, instance au sein de laquelle vous avez approuvé la note du gouvernement et donc la position du gouvernement. Je pense que ne pas agir de la même façon ici en région a quelque chose d'assez schizophrénique. Je vous remercie. Y a-t-il une réaction ? Je n'entends pas d'ici. Donc voilà, c'est un échange, je dirais, d'ordre plutôt privé, puisque je ne l'ai pas entendu, les réactions des uns et des autres. Ce qui m'amène à vous inviter à entendre la question d'actualité de Mme Niquez, adressée à la ministre Gréoli, sur le feu vert pour le futur centre de prototherapie sur le site de l'hôpital Marie Curie. Monsieur le Président, je vous remercie. Madame la ministre, c'est officiel, le fédéral a donné son feu vert pour l'implémentation d'un centre de protonthérapie sur le site de l'hôpital de Marie Curie. Et donc la région wallonne va devoir débloquer des subsides. Alors je viens évidemment vers vous pour que vous nous donniez plus d'informations sur ce projet. Des subsides à quelle hauteur, dans quel timing, selon quelle modalité pratique cette implantation va-t-elle se faire? Peut-on espérer voir naître ce centre à bref délai? Je vous remercie déjà pour vos réponses. Merci madame. Nous nous tournons vers la ministre. Le temps de parole a été magnifiquement respecté et nous vous écoutons. Ah ben voilà, voilà un bel échange alors. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée, évidemment, je vous confirme que la ministre fédérale de la Santé a écrit pour dire qu'elle ne se poserait pas et que même il pourrait y avoir couverture dans le cadre des soins de santé des interventions prises dans le cadre de la protonthérapie. Et donc, pour rappel, il s'agit d'un type de soins particulier et particulièrement efficace dans le suivi d'un certain nombre de cancers. Ce qui est aussi prévu en région wallonne, c'est un subside qui a été mis dans un invest de 45 millions pour pouvoir permettre la subsidiation de la construction nécessaire à accueillir les appareils de protonthérapie. Alors, je me fais un plaisir de vous répondre comme ministre de la Santé, mais ces budgets sont dans un invest et dépendent principalement, parce que c'est au travers de la politique scientifique, de mon collègue Pierre-Yves Jollet. Mais comme nous travaillons sur ce dossier en parfaite harmonie, je me suis permise de vous donner les éléments dont sur lesquels vous aviez posé des questions. Je vous remercie. Très bien, Madame Niquez.
Je remercie la ministre pour ses réponses et on peut à nouveau se féliciter d'un travail en commun entre M. Géolet et Mme Gréoli. Je dois dire que ce dossier est important évidemment pour la région de Charleroi. Il est important pour la région wallonne. Au départ, seul un centre était prévu en Flandre et très exactement à Anvers. Et donc, je suivrai ce dossier avec attention. S'il n'y a plus d'autres précisions de la ministre, nous pouvons alors passer, chers collègues, à la dernière question d'actualité, celle de M. Collignon, adressée à la ministre Debus sur l'entrée en bourse imminente de Belfius. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre, j'ai déjà à quelques reprises eu l'occasion de vous interroger sur le sujet, sur ce qui n'était qu'une intention du gouvernement fédéral. Et au cours de l'été, un accord est intervenu, c'est donc maintenant officiel, un accord intervenu au niveau du gouvernement fédéral qui prévoit la mise en bourse de Belfius, la privatisation de Belfius et concomitamment de pouvoir prévoir un dédommagement des coopérateurs d'Arco. Alors, vous connaissez notre opinion sur cette mise en bourse, puisque nous estimons que n'est pas rentable économiquement puisqu'il y a plus de dividendes que ce que coûtent les intérêts au jour d'aujourd'hui et le rôle qu'a toujours joué Belfius comme régulateur de notre économie et quelque part banque privilégiée des pouvoirs locaux. Aujourd'hui, le contexte a même encore un peu évolué. Puis, depuis l'annonce de la mise en bourse, ce qui valait entre 6 à 8 milliards est maintenant estimé entre 5 à 7 milliards, donc pour dire que le moment économique n'est peut-être pas le mieux choisi. Et je souhaiterais remettre donc aujourd'hui la question pour vous interroger parce qu'au sein de ce Parlement, il existe toujours une résolution qui est d'actualité, une résolution qui emporte la majorité de ce Parlement, puisqu'à l'époque, le CDH et Écolo avaient voté avec nous une résolution qui s'opposait à la mise en bourse de Belfius. Et donc, je souhaiterais connaître votre opinion. Est-ce que vous allez relayer l'opinion majoritaire de ce Parlement ? Premier élément. Deuxième élément, vous savez aussi que l'Union des villes et communes s'est positionnée relativement en termes d'équité, de se dire, puisqu'on dédommage les coopérateurs d'Arco, on prévoit un dividende, est-ce que vous allez porter l'intérêt des communes qui, elles aussi, ont supporté le holding communal, est-ce que vous allez intervenir pour que les communes soient aussi dédommagées? Et enfin, troisième question, c'était dans la résolution de 2016, à l'initiative du CDH, est-ce que vous allez prévoir un portage, est-ce que vous allez prévoir demander aux invests ou demander aux CRAC de pouvoir prendre des parts, puisque Belfius est maintenant ouvert à capital? Merci, Monsieur Collignon. Nous nous tournons vers vous, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à chacune et à chacun d'entre vous. Ravi de vous retrouver. Monsieur le député, nous avons eu l'occasion de débattre plusieurs fois du thème de Belfius et de sa privatisation partielle. Vous m'interrogez sur la résolution de 2016, quel en a été le suivi. Vous le savez, le gouvernement précédent a eu une expression assez cacophonique puisque le ministre des pouvoirs locaux de l'époque voulait inciter la région wallonne à prendre des parts et le ministre du budget s'y était fermement opposé. Il a fallu un an pour que le gouvernement sollicite le comité de concertation et il s'est opposé à une fin de non-recevoir puisque, comme vous le savez, ce débat est strictement fédéral. Nous avons eu l'occasion, dans le cadre de la commission des pouvoirs locaux, de débattre à nouveau de l'évolution de ce dossier. Donc, je vous rappelle qu'il est de compétence strictement fédérale, que le conseil d'administration de Belfius, en avril 2017, a approuvé à l'unanimité la mise en bourse d'une partie des actions de Belfius. Et votre parti est bien évidemment représenté au niveau de ce CA, que le débat sur la privatisation partielle de l'entreprise, comme nous l'avons à l'époque aussi expliqué, n'aura pas d'impact sur la stratégie de Belfius, le type de relations qu'elle entretient à l'égard des pouvoirs locaux.
Je vous rappelle aussi que votre parti n'a pas toujours eu le même discours par rapport aux privatisations partielles, puisqu'il a été l'opérateur de certaines d'entre elles à d'autres niveaux de pouvoir. Alors, par rapport aux compensations ARCO et à la demande de l'Union des villes, bien évidemment, l'Union des villes a écrit au gouvernement fédéral et en la personne du Premier ministre en particulier. Comme nous l'avions aussi évoqué en mars dernier, c'est une question juridiquement très complexe. Il n'y a aucune, j'attire votre attention qu'à l'époque, il n'y a aucune garantie qui avait été apportée aux pouvoirs locaux par rapport aux investissements dans le holding. Mon temps de parole était malheureusement épuisé, mais j'aurais bien voulu insister sur l'ensemble des mesures de soutien aux pouvoirs locaux que le gouvernement met en place au niveau de la politique de la région wallonne. Et donc, je vous remercie pour votre attention. Merci, Madame la Ministre, de vous contrôler. Ça facilite ma tâche. Et je me tourne vers Monsieur le député Collignon. Je vous remercie, Monsieur le Président. Madame la Ministre ne m'a pas apporté grand-chose en termes de réponse. Les rétroactes me semblent totalement inutiles dans ce dossier, ce d'autant plus qu'on n'est plus en termes d'intention, on est face à un accord de gouvernement, donc quelque chose d'extrêmement concret. Je suis quand même extrêmement surpris que le fait que vous vous désintéressiez du dossier en disant ben voilà, c'est du fédéral, mais vous représentez l'intérêt des communes, vous représentez l'intérêt des pouvoirs locaux, et à travers eux, ceux des citoyens. Et donc, je ne peux pas comprendre que vous laissiez filer un dédommagement pour des coopérateurs d'ARCO et de se dire dans le même temps, ben, les communes n'ont qu'à se débrouiller. Là, je pense que vous faites défaut à votre rôle de ministre des pouvoirs locaux. Vous devez pouvoir porter ce dossier-là. Alors, j'ai bien compris qu'idéologiquement, on n'est pas d'accord et ça, ce n'est pas un problème. Mais ici, on est dans un cas qui est extrêmement concret. Est-ce qu'il est opportun de vendre Belfius et le fédéral prendra ses responsabilités? Est-ce qu'économiquement, c'est le moment, le gouvernement fédéral prendra ses responsabilités? Mais ce qui n'est pas de la responsabilité de la région wallonne et de sa ministre des pouvoirs locaux, en particulier de pouvoir défendre les communes, de se dire que c'est un opérateur dont on a besoin? Vous n'avez pas répondu sur le fait de se dire, ben, est-ce que cette résolution est toujours au goût du jour? Ne vous tracassez pas, on reviendra et on verra la position du CDH. Puisque j'ai entendu d'autres expressions, notamment à la suite de l'accord, ben on verra ce que ce Parlement décidera dans sa majorité. Mais je pense que vous devez prendre plus de responsabilités dans ce dossier. Bien, je crois que nous sommes au terme de cet échange et plus globalement du reste, au terme des questions d'actualité. Nous en avons donc terminé avec le premier chapitre de cet après-midi consacré aux dires, aux questions urgentes et questions d'actualité. Nous en venons maintenant, si vous le voulez bien, à l'examen des textes qui sont soumis à nos délibérations aujourd'hui et d'emblée passer et vous inviter à analyser le projet de décret portant assentiment à la convention entre le gouvernement de la République française et la région wallonne de Belgique au sujet d'amélioration de la liste mitoyenne entre la France et la Wallonie de l'aménagement du canal de Pomerol à Condé, signé à Namur le 19 juillet 2007 et à l'avenant, signé à Paris le 2 mai 2017 à la convention entre le gouvernement de la République française et la région wallonne de Belgique au sujet de l'amélioration de la liste mitoyenne entre la France et la Wallonie et de l'aménagement du canal de Pomerol à Comté, signé à Namur le 19 juillet 2007, document 1144, numéro 1 et 2. Je vous propose de prendre comme base de la discussion générale le texte adopté par la commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et des travaux publics. Je déclare la discussion générale ouverte. Un rapport a été déposé par M. Le Serre sur le numéro 1144 qui s'en tient à son rapport écrit. Et j'ai comme intervenant Mme Niquez et puis Mme Waroux, je pense. Oui, on me fait signe que oui. Et je n'ai pas d'autres inscrits. On vous écoute, Mme Niquez. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je suis particulièrement sensible à ce problème puisque venant des bords de Sambre et voyant les péniches déambuler difficilement et de plus en plus difficilement sur nos cours d'eau. Alors cet avenant qui est approuvé par voie décret est important. Nous savons tous que le transport fluvial est une alternative non négligeable au transport routier. À l'heure actuelle, l'enlisement du canal de Pomerol oblige nos bateliers à faire 12 heures de navigation en plus
pour atteindre la France par le canal de Nîmes-Péronne, c'est-à-dire par le nord, et ce, pour rejoindre l'Escaut. C'est d'autant plus regrettable que des investissements importants ont été faits, notamment au niveau de l'ascenseur de Strépy-Bracogny, dont finalement l'utilité est mise à mal par l'absence de liaison directe vers la France. Alors, nous le savons, sur le plan budgétaire, la nouvelle proposition augmente sensiblement l'engagement de la région avec une part théorique, et je dis bien théorique, mais nous connaissons tous les aléas de ces marchés publics, avec une part théorique pour les Wallons de 34 millions, alors qu'au départ, l'on parlait d'investissement pour moitié par la France, pour moitié par la Belgique, et donc une part wallonne de 28,5 millions. Mais je pense qu'à l'heure où beaucoup d'entre nous plaident pour éviter le tout à la route, cette convention, cet avenant à la convention est une chose importante, et j'applaudirai bien évidemment son vote aujourd'hui. Merci beaucoup, Madame Niquès. C'est au tour de Madame Waroux. Je n'ai plus d'autres inscrits, donc je me tournerai vers le gouvernement après l'intervention de Madame Waroux. Monsieur Henry. Ok. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les Ministres, Madame la Ministre, chers collègues. Le développement du transport fluvial est enfin un enjeu majeur en termes environnementaux, de mobilité et de développement économique. Face à l'engorgement quotidien de nos routes et le coût environnemental de celui-ci, il est temps de développer des alternatives plus durables. Le report modal vers la voie d'eau constitue une des pistes qui permet de soulager nos routes. De plusieurs milliers de poids lourds qui ont un impact sur la densité du trafic, l'état de nos routes et l'environnement. Un camion de 44 tonnes équivaut au passage d'environ 150 000 véhicules cumulés. Lorsque l'on sait qu'une péniche de 1350 tonnes équivaut à plus de 50 poids lourds, on comprend sans peine l'importance de favoriser ce mode de transport pour notre mobilité comme pour notre environnement. Mais encore faut-il que le carburant fluvial devienne moins nocif également. Par ailleurs, la voie hydraulique est aujourd'hui un important vecteur de développement économique en permettant le déploiement du secteur de la logistique qui constitue à ce jour un des axes de déploiement économique de notre région. De par son intégration dans le corridor Seine-Escaut, le canal de Condé-Pommerolles s'inscrit dans ce mouvement. La présente convention permettra de régler un problème vieux de plus de 20 ans qui avait conduit à la fermeture de cette voie d'eau en raison de son envasement. En mettant fin aux détours qui engendrent actuellement 12 heures de temps de parcours supplémentaire, elle permettra également de faciliter l'accès vers Charleroi, Namur, Liège, au départ de la France. À l'horizon 2026, un peu avant une fin du monde estimée à 2030, lorsque les différentes phases auront été réalisées, nous disposerons d'un axe de communication qui permettra de relier plusieurs pôles économiques européens entre eux et qui permettra à notre région de s'inscrire dans la dynamique de développement de ceux-ci. Ainsi que le ministre l'a souligné, il sera important que le PACO développe une stratégie afin d'attirer les entreprises le long de ces voies d'eau. Nous parviendrons ainsi, il faut souligner, à accorder ce fameux développement économique et développement d'une politique durable de mobilité. Nous conviendrons toutes et tous que c'est un modèle de développement que les autorités publiques doivent promouvoir en intégrant dans leurs choix l'urgence environnementale et climatique. Je me permets d'ajouter que j'aurais souhaité que les coûts liés au dragage du canal inspirent les montants estimés pour l'élargissement de l'Escaut à Tournai, où je continue à penser que les budgets alloués sont insuffisants, car il aurait fallu plus d'ambition pour le cœur historique de cette riche ville patrimoniale. J'en profiterai aussi pour souligner à l'attention d'Idéta qu'un canal à 1350 tonnes a toujours et plus que jamais une utilité essentielle quand l'intercommunal développe un zoning non loin du canal de Pommerolles, un zoning de 100 hectares en bordure de canal sans connexion directe à celui-ci, un scandale. Je vous remercie de votre attention. Merci, Madame Waroux, Monsieur le Ministre. Ah, Monsieur Henry, Monsieur le Président, oui, nous avions aussi prévu de participer au débat, même si je vous prie d'excuser notre absence de mention écrite. Non, mais les excuses sont partagées de mon côté, parce qu'en fait, Monsieur Henry n'était pas repris comme inscrit chez moi. Il s'était inscrit, donc toutes mes excuses.
Monsieur Henry, ça nous vaut le plaisir de vous entendre. Merci, Monsieur le Président. Mais de toute manière, je ne serai pas très très long. Je vais donc le faire de mon banc pour bien sûr rappeler aussi l'importance pour nous de ce transfert modal, notamment vers la voie d'eau. C'est évidemment très très important, que ce soit en termes de mobilité, mais aussi en termes de consommation énergétique et de baisse des émissions de gaz à effet de serre. La difficulté, évidemment, avec la voie d'eau, on le sait bien, c'est l'importance, mais surtout la durée des investissements. On le voit bien, évidemment, avec ce report de plusieurs années de ce qui avait été prévu. Bon, ici, évidemment, il y a une complication, puisqu'il s'agit aussi d'un accord avec la France. La plus grosse partie du budget est du côté français. Et avec aussi, bien sûr, la particularité que pour être efficace, tout le trajet des bateaux doit être au même gabarit. S'il y a évidemment un petit tronçon où on est à un gabarit plus faible, ben forcément les gros bateaux ne peuvent pas passer. De même qu'un autre enjeu, c'est évidemment le dragage des cours d'eau. Et là, on sait qu'on a eu précédemment des très très gros retards en la matière. Donc nous allons bien entendu soutenir le projet de décret qui vise à finalement valider l'avenant de la convention et son avenant. Mais peut-être est-ce aussi l'occasion pour Monsieur le ministre, alors si ce n'est pas possible de le faire très en détail aujourd'hui, peut-être ultérieurement, de faire un état des lieux sur les voies navigables et le réseau finalement. Je pense qu'on n'en parle pas suffisamment souvent dans les détails et que c'est néanmoins un enjeu très important. Merci Monsieur Henry, toutes mes excuses encore. Et Monsieur le ministre, nous vous écoutons cette fois. Merci Monsieur le Président. Je pense effectivement, Monsieur Henry, que nous pourrions demander finalement un état des lieux, parce qu'il y a eu beaucoup de travaux dans le plan infrastructure, notamment beaucoup de travaux encore en cours. On a encore vu hier avec le lancement d'un énorme chantier en province de Liège. Il serait sans doute intéressant de faire à un moment donné le point par rapport à tout cela. Alors ici, c'est un tronçon fermé depuis 1992. Et comme souligné en commission par Mme Niquet, ce canal constitue l'un des trois débouchés du corridor Seine-Escaut vers les réseaux fluviaux à grand gabarit de l'Europe du Nord. Il établit donc une liaison fluviale directe entre le canal à grand gabarit français, notamment l'Escaut, et le canal du centre situé en Belgique et permettant un accès vers Charleroi, Namur, Liège, Bruxelles et Anvers sans détour par le canal de Nîmes-Blaton-Péronne. Si tout va bien, au terme des travaux, il y aura donc eu 30 ans d'inutilisation de ce tronçon. Alors, pour pouvoir mener à bien ce projet, Monsieur Henry l'a rappelé, il y a eu une première tentative, une première convention signée en 2007. Cette convention visait à rouvrir le canal et à améliorer les communications fluviales en vue de concourir à l'amélioration des réseaux transeuropéens de transport. Les travaux n'ont toutefois pas été mis en œuvre. Dès lors, un avenant à la convention, notamment en ce qui concerne les quantités présumées qui ont dû être actualisées. Un avenant a été signé le 2 mai 2017, avec de nouveaux délais de réalisation, évidemment, des financements ainsi qu'une définition des obligations entre parties. Et c'est la convention que nous ratifions aujourd'hui. La convention et son avenant ont été complétés par une convention de financement afin de préciser les modalités de versement des participations wallonnes à l'établissement public Voies navigables de France, puisque tout le territoire concerné se situe en France et nous participons au financement via les voies navigables de France. Alors, comme souligné par Mme Moiroux, l'objectif principal de la convention et de son avenant est d'aménager le canal Condé-Pomerol en vue de sa réouverture pour le transport fluvial de grand gabarit, 3000 tonnes, entre la France et la Wallonie. Cet aménagement constitue un chantier conséquent estimé à 80 millions d'euros, dont 68 sont cofinancés par la France et la région wallonne à hauteur de 50% chacun. Le marché principal, et c'est un élément récent et qu'on peut confirmer, qui est évidemment très intéressant, c'est que le marché principal de travaux de curage et d'élargissement a été remporté par un groupe emmené par l'entreprise belge Ecoterre pour un montant de 41,2 millions d'euros. Donc on peut se réjouir que ce cofinancement, que la part wallonne du financement finalement se retrouve dans les mains d'une société belge et wallonne pour partie, le groupe belge Ecoterre. Merci. Nous retournons vers les parlementaires. Madame Niquet, non. Madame Moiroux, non plus. Monsieur Henry, non. OK, parce que je ne vous voyais pas. J'avais deux éminents parlementaires entre vous et moi. Plus personne ne demandant la parole dans la discussion générale, je la déclare close et propose de passer à l'examen des articles du projet de décret 1144. Nous commençons par l'examen de l'article 1er. Pas d'objection, adopté. Puis-je considérer le même vote pour l'article 2, pas d'objection adoptée.
nous voterons ultérieurement sur l'ensemble du projet de décret. Projet de décret, c'est le point 2 de l'ordre du jour de nos délibérations, portant assentiment à l'accord de coopération du 29 décembre 2017 entre la communauté flamande, la région wallonne, la commission communautaire commune et la communauté germanophone concernant l'augmentation des plafonds de revenus et l'immunisation pour les étudiants en alternance et en apprentissage des revenus tirés de l'activité lucrative exercée dans le contrat d'un contrat d'occupation d'étudiant 1145, numéro 1 et 2. Il y a un deuxième projet de décret 1146 qui porte sur l'assentiment à l'accord de coopération du 31 juillet 2017 entre la communauté flamande, la région wallonne, la commission communautaire commune et la communauté germanophone concernant la modification de l'arrêté royal du 12 août 85 portant exécution de l'article 62 paragraphe 5 de la loi générale relative aux allocations familiales et la modification de l'arrêté royal du 26 mars 65 relatif aux allocations familiales allouées à certaines catégories du personnel rétribué par l'État, ainsi qu'aux membres du personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique des corps de police locale, document 1146, numéro 1 et 2. Ces projets de décret ayant fait l'objet d'un examen commun en commission, je vous propose d'en débattre conjointement. Alors, je rappelle, pour autant que besoin, que les deux membres de notre Assemblée qui ont prêté serment exclusivement ou en premier lieu en allemand ne peuvent participer au vote sur les matières communautaires. Ceci est donc bien rappelé. Je vous propose de prendre comme base dans la discussion générale les textes adoptés par la Commission de l'Action sociale de la santé de la fonction publique. La discussion générale est ouverte. Un rapport a été déposé par Mme Van Dorp sous le numéro 1145, numéro 2, et sous le 1146, numéro 2, qui s'en tient à son rapport écrit. Je n'ai comme inscrit que, et je le vérifie parce que je ne l'aperçois pas, Mme Salvi. Elle n'est pas là, fort bien, donc je considère qu'elle a retiré son intervention. Je ne sais pas si la ministre, Mme Grioli, vous voulez ajouter quelque chose ou pas, puisqu'il n'y a pas d'intervention. Étant donné que j'ai répondu à la question tout à l'heure, je pense que j'ai donné les éléments qui conduisent aussi au dépôt de la motion pure et simple. Fort bien. Bien plus personne ne demandant la parole dans la discussion générale, je la déclare close et vous propose de passer à l'examen des articles du projet de décret 1145. Article 1er, pas d'objection adoptée. Puisse considérer le même vote aux articles 2 et 3, pas d'objection adoptée. Nous voterons ultérieurement sur l'ensemble du projet de décret. Nous passons maintenant à l'examen du décret 1146. C'est pour celui-là que deux d'entre nous ne pourront pas participer au vote. Article 1er, pas d'objection adoptée. Puis-je considérer le même vote aux articles 2 et 3, pas d'objection adoptée. Nous voterons ultérieurement sur l'ensemble du projet de décret. Chers collègues, nous avons épuisé l'ordre du jour des délibérations qui étaient soumises à votre analyse. Nous avions convenu en conférence des présidents de voter à 16h30. Dès lors, je vous propose d'ajourner nos travaux pendant 16 minutes et nous nous retrouverons à 16h30 précise pour manifester nos intentions sur 4 points soumis à vos votes. Voilà, bonne suspension de séance et on se retrouve dans 16 minutes.
chers collègues, puis-je vous inviter à regagner vos places? L'occasion pour moi de vous présenter nos excuses. Vous le savez, nous avons une nouvelle formule de climatisation qui n'a malheureusement pas fait la démonstration de sa pertinence aujourd'hui, parce que un des agents et experts techniciens de la société qui a rénové le système de climatisation a modifié la programmation de celle-ci. Ce qui fait que nous ne nous sommes pas retrouvés dans le scénario que nous avions imaginé. Il fait donc plus chaud. Quand tout à l'heure je vous indiquais que l'année serait chaude pour les échéances électorales, je ne savais pas qu'elle le serait aussi avec la climatisation, mais foi du greffier, il va régler ça pour la prochaine séance. Nous allons donc pouvoir vérifier, mais je n'en doute pas, son efficacité. Voilà, donc tac pour les excuses, puisque vous l'aurez constaté, nous avons fait des efforts pour la climatisation ici et aussi pour l'aménagement de la cour qui aujourd'hui est imperméable et vous ne risquez plus de trébucher quand vous traverserez la cour. Tout ça pour vous dire que nous allons voter sur les projets de motion déposés en conclusion de l'interpellation de Mme Tilleul et Mme Gréoli, ministre de l'Action sociale, sur l'opportunité d'un recours en annulation de la pension mixte au sein de la fonction publique wallonne par Mme Tilleul, qui a donc déposé une motion motivée, et nous sommes saisis d'une motion pure et simple déposée par Mme Van Dorp Oisé-Cavrenne. La première de Mme Tilleul porte à référence 1157 numéro 1 et la deuxième 1158 numéro 1. Y a-t-il des prises de parole? Tout à l'heure, M. Luperto y est revenu, mais s'il n'y a pas d'autres interventions, peut-on voter directement sur la motion pure et simple? Madame Tilleul, je vous en prie, qui est l'auteur de la motion motivée. Donc, je voudrais rappeler à quel point ce dossier des pensions est emblématique. La loi votée au fédéral a été combattue par les syndicats, par les mouvements progressistes. Nous en avons débattu. Nous savons que l'instauration d'une pension mixte via un deuxième pilier va impacter le portefeuille des fonctionnaires concernés de plusieurs centaines d'euros par mois. Il apparaît que les principes d'égalité, de non-discrimination, comme ceux de non-rétroactivité, et de confiance légitime, ne sont pas respectés. Nous avons déposé une motion qui demande au gouvernement d'introduire un recours en annulation auprès de la Cour constitutionnelle dans ce dossier, à l'instar d'ailleurs de la décision du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, dans lequel la ministre Gréoli, qui n'est plus parmi nous pour l'instant, est vice-présidente et ministre de la Culture, de l'Enfance et de l'Éducation permanente. Le groupe CDH de la vice-présidente et ministre de la Fonction publique wallonne va-t-il contredire la décision qui a été prise par la vice-présidente et ministre de la Culture de la Fédération Wallonie-Bruxelles? Le groupe CDH va-t-il se montrer bienveillant par rapport à la position de la ministre Gréoli qui siège à la Fédération Wallonie-Bruxelles? Au-delà de la cohérence ou l'incohérence des uns et des autres, ce qui importe à notre groupe, c'est de préserver et renforcer ce premier pilier pour les pensions de nos fonctionnaires et surtout de proposer des pensions dignes et justes. L'instauration d'une pension mixte fera en sorte que certains de nos fonctionnaires seront ponctionnés de plusieurs centaines d'euros chaque mois. Ce vote, c'est donc le moment vérité pour tous les parlementaires qui se déclarent progressistes. Si vous rejetez notre motion, vous choisissez le camp de ceux qui veulent l'instauration d'un second pilier pour nos fonctionnaires qui s'inscrit dans un contexte de privatisation de notre sécu qui, pour certains, est attaqué de toutes parts. Y a-t-il une prise de parole dans d'autres groupes? Je n'en vois pas, ni sur le banc gouvernemental, donc chacun ayant pu s'exprimer. Nous allons donc voter, conformément au règlement, sur la motion pure et simple de Mme Van Dorp et de Oisé-Cavrenne. Début du vote sur la motion pure et simple. Alors, tout le monde a-t-il bien vérifié son vote? Chacun a vérifié son vote? Non? Encore quelques instants. Fin du vote. 70 membres ont pris part au vote, 36 ont soutenu la motion pure et simple, 34 se sont opposés à celle-ci. La motion pure et simple est donc adoptée. Nous allons voter sur l'ensemble du projet de décret portant sentiment à la Convention
entre le gouvernement de la République française, la région Wallonne de Belgique au sujet de l'amélioration de la liste mitoyenne entre la France et la Wallonie et de l'aménagement du canal de Pomereux, la Comté, signé à Namur le 19 juillet 2007 et à l'avenant signé à Paris le 2 mai 2017 et la convention entre le gouvernement de la République française, la région Wallonne de Belgique au sujet de l'amélioration de la liste mitoyenne entre la France et la Wallonie et de l'aménagement du canal de Pomereux, la Comté, signé à Namur le 19 juillet 2017. Vous aurez reconnu le document 144 numéro 1 et 2. Début du vote sur ce projet de décret. Chacun a-t-il vérifié son vote? Fin du vote. Unanimité, le projet de décret donc adopté. Il sera soumis à la sanction du gouvernement. Nous allons voter sur l'ensemble du projet de décret portant sentiment de l'accord de coopération du 29 décembre 2017 entre la communauté flamande, la région wallonne, la commission communautaire commune et la communauté germanophone concernant l'augmentation des plafonds de revenus et l'immunisation pour les étudiants en alternance et en apprentissage des revenus tirés de l'activité lucrative exercée dans le contrat d'occupation d'étudiants, document 145 numéro 1 et 2. Attention, je rappelle que deux d'entre nous, conformément à l'article 50 alinéa 2 de la loi spéciale de 8 ou 80, ne participent pas au vote. J'imagine qu'ils se sont reconnus. Début du vote. L'objectif, c'est 68. Chacun a-t-il vérifié son vote? Fin du vote. 66 participants ont approuvé ce projet de coopération. Deux se sont abstenus. Pas de non. Y a-t-il des motifs d'abstention? Non. Le projet de décret est adopté. Il sera soumis à la sanction du gouvernement. Vote nominatif sur l'ensemble du projet de décret portant sentiment de l'accord de coopération du 31 juillet 2007 entre la communauté flamande, la région wallonne, la commission communautaire commune, la communauté germanophone concernant la modification de l'arrêté royal du 12 85 portant exécution de, la loi, de l'article 62 paragraphe 5 de la loi générale relative aux allocations familiales et la modification de l'arrêté royal du 26 mars 65 relative aux allocations familiales allouées à certaines catégories du personnel rétribué par l'État ainsi qu'aux membres du personnel, du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique des corps de police locales. Document 1146, 1 et 2. Et là aussi, deux d'entre nous ne participent pas au vote. Début du vote. Encore un. Fin du vote. Eh bien, l'accord de coopération est approuvé à l'unanimité, puisqu'ici, il n'y a plus d'abstention. Et le texte sera donc soumis à la sanction du gouvernement. Voilà, nous en avons terminé avec les travaux de cette rentrée un peu historique, puisque nous ne sommes jamais rentrés si tôt. La séance est levée, le Parlement s'ajourne jusqu'à convocation ultérieure. Excellent retour dans vos circonscriptions respectives. Merci, merci. Bon retour. Merci à tous. Merci Olivier. Bonne fin.